Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que ça va. Et vous êtes chaud ce soir pour du Divine Journey. Clac. J'étais en train de ranger un peu le bordel sur mon bureau jusqu'à ce que je regarde mon écran et je fais merde, il y a marqué ça va commencer. Bonsoir Dalorhomer. Zeaka TV. Liz J. Jekyll. Miva. Tirons le bon. Salut à vous. Désolé, je fais un peu de bruit. Je suis en train de dégager tous les papiers qu'il y avait sur mon bureau. Enfin, les papiers. Les sachets de conneries à droite à gauche. Salut Macmash. Salut John. Salut Darken Foxy. C'est Liria. Salut à vous. Premier live avec toi, ouh, ta. Bienvenue sur le premier live pour toi. Du coup, clic. Première chose qu'on va faire, c'est désactiver la ferme à Wither Boss parce que ça va faire à chaque fois. J'espère que, comme on dit, ton live va suffisamment me divertir pour que je puisse m'endormir correctement. Ah bah écoute, j'espère pouvoir t'endormir. Par contre, je changerai pas de berceuse. Hein. Yo, premier live que je suis sur le modpack. Ah, nice. Bonsoir à vous, ceux qui arrivent. Dark Wither, Kotaka Sensei, Akuten. Merci, t'as assez gentil. Ah, il y a du son? Ouais, je l'avais baissé. Ok, à mon avis, on va calmer le Wither direct. Pour qu'on évite d'avoir trop de bordel. Ça va péter. Voilà. Ouh, attendez, je coupe. Voilà. C'est le dernier Wither qui va spawner de toute façon. Merci Arcos pour ton quatrième mois, la vache, 4 mois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Salut Factor Speed. Même pas une berceuse métal. Ah bah alors si tu veux une petite berceuse métal, je t'invite à regarder sur Rick's vidéo dans le petit i que j'ai mis en haut à... Ouais, il tout... Ah bah même la maman elle est coupée là. Ah, tout en haut à droite de ton écran, tu as le petit info avec une petite musique de Manowar. Très sympathique. Bonsoir, ça fait un moment que je suis pas bien dû ici. Bah écoute, Tunikun, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu ton pseudo. Salut Bob le LOL. C'est bizarre, je suis tellement habitué à regarder la rediff en x2. Et là, je ne trouve pas comment mettre le x2. Ah bah j'irai pas parler plus vite, hein. Là, non. Non. Drakmar, c'est très bon aussi. Bon alors, au niveau des Nether Stars, où est-ce qu'on en est? 22 000. C'est bien. Ezevicio, on en a... Oh, 12 000. La vache, ça fait beaucoup. J'avais pas vu quand j'en avais autant, dis donc. Bah, du coup, ça veut dire que je peux me faire le Ezevicio sexto. Oh. Hop. Salut, Maxa Game. Salut, Alex. J'ai pu récupérer live de vendredi et beau trou noir de Draconic. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, il met du temps à crafter quand même, parce que c'est pas rien. Il a quand même du boulot à faire, le bonhomme. Mais en gros, sur notre livre de quêtes, j'ai pu avancer certaines choses. On peut voir qu'il y a des quêtes à débloquer. Oh. Merci Zeaka TV pour les 100 bits. Normalement, je regarde que tes rediffs, car en ce moment, j'ai pas le temps. Mais comme j'adore ton contenu, bah merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Tu les as tous automatisés? Non, je les ai pas tous automatisés. J'ai automatisé jusqu'au sexto. Justement, et j'attendais que... Si tu regardes bien, j'ai pas au-dessus. Hein. J'ai le Uno, le Duo, le Trio, le Quadro, le Quinto. Et là, du coup, j'ai le Sexto. Donc le Sexto, ça va me remplir encore une autre quête. J'ai crafté les 4 graines ici. Donc avec le Draconic, enfin le Wyvern Core. Les graines sont là, je les ai pas encore plantées. D'accord. Du coup, on va claim les quêtes qu'il y a ici. Ok. Ok. Furnace générateur, ok. Et enfin, lava générateur. Parfait. Donc, on a aussi celui-ci là. Donc, le Zivicanto. Et on a le Zivisexto qui me donne du bloc de terrastyle. Terrastyle. Je m'en fous un peu. Parce que j'en ai la masse. Du coup, alors, si je les ai pas tous automatisés, c'est tout simplement parce que j'attends d'avoir les. D'avoir ces tirs là pour pouvoir autocrafter le suivant. Donc, là, j'autocrafte le suivant. Et on va voir combien ça va me coûter de faire le suivant. Et merci pour ton abonnement, Alex
Valriz. C'est très gentil, merci beaucoup. Tu as plein d'emotes maintenant pour te faire plaisir. Et du coup, au niveau des autocrafts, je les ai positionnés comme ça. Ok, pour que ça crafte plus vite, parce que c'est quand même pas rien. On va regarder combien ça va me coûter de faire un Zivicepto. Il me manque 7196 Zivisuessence. Il va falloir tuer encore un peu de Wizard. Hein? Par rapport à la dernière fois, j'ai fait les 4 Crystal Cluster que j'ai mis sur les 4 coins. J'ai pas encore posé les runes ici. Et justement, j'en ai crafté. Donc on va les poser ensemble. Voilà. Je vais prendre que des runes of augmented capacity. C'est-à-dire que normalement, mon Blood Altar devrait pouvoir stocker beaucoup plus de sang. On va regarder. Voilà, actuellement dans mon network, j'ai 15 millions. C'est ce qui me sert à faire crafter les... comment on appelle ? Le village démoniaque de Blood Magic. Et ici, j'ai 86 000 life essence. Et je suis toujours en tier 5, c'est écrit. Hein. Donc, on va mettre tout ça. Ok. Et on va voir si je passe bien au tier 6. Oh, no. Bon, à mon avis, il y en a plus qu'il n'en faut. Hein, des Rune of Augmented Capacity, mais... bon, moi, je les ai. Ok, il va me rester plus que cette ligne-là. Et à un près, c'était pas bon. Hein. Ok. Alors maintenant, on peut voir que l'altar s'est vidé. Tout simplement parce que maintenant, je suis au tier 6. Et j'ai une capacité de 238 000 life essence là-dedans. C'est énorme. C'est énorme. 238 000. Et avant, c'était combien la capacité? Bah, la capacité, j'étais à fond, j'étais à 86 000. Du coup, là, je suis à 100 000. 105 000, 107 000, 108 000, grâce aux sorcières qui est en dessous. C'est cool. Donc, maintenant qu'on est passé au tier 6, et ça, ça fait plaisir. Écoutez, on va récupérer un autre crystal cluster que j'avais crafté, n'est-ce pas? Voilà, juste là. Et on va se faire la Blood Orb du tier au-dessus. Boum! Parce que si on regarde les livres de quête, enfin le livre de quête, dans Hemoglobin Power, il va nous rester plus que celui-ci à faire. Et celui-ci pour le faire, c'est 200 000 LP, donc tier 6, boum. Par contre, j'espère que je récupère suffisamment de LP pendant que ça pompe. Est-ce que ça va être bon ça? Dans tous les cas, si c'est pas bon, c'est pas très grave. Hein. Tu arrives à la fin de la série, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Alors, Lollapalooza, je ne suis absolument pas à la fin de la série. Donc, je n'ai absolument pas pensé à qu'est-ce que je ferai après. Tu peux revenir dans un mois et demi, deux mois pour savoir qu'est-ce qu'on fait après. Enfin, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire après. Parce que ce ne sera pas fini. Hein. On va le laisser comme ça, tranquillement. Au niveau de l'automatisation... Ah oui, d'ailleurs, merci F pour les 14 bits. GG pour le tier 6. Merci, c'est gentil. J'ai changé l'automatisation de ça là. Déjà j'ai changé le sol pour que c'est un truc un petit peu plus stylé. Juste ici avant on avait le... Comment ça s'appelle? Le Claw Matrix ou une connerie comme ça. Alors fais voir comment ça s'appelait déjà. Ça là, l'Infusion Claw. Le problème que j'avais avec ça, c'est qu'il faut lui envoyer une impulsion Redstone. Juste une impulsion pour l'activer. Si je mets une cloque, ça s'active tout le temps et ça fait en sorte que mon Runic Matrix foute le bordel, c'est pas possible. Donc il fallait que je compare ce qu'il y avait là-dedans avec un comparateur ici et que je renvoie le signal pour pouvoir l'activer. Le problème c'est que de temps en temps ça marche pas. Parce que l'item partait trop vite, enfin quand l'item partait, l'autre item revenait trop vite derrière. Donc c'était impossible pour moi de faire fonctionner la chose. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la place j'ai remis un Autonomous Activator. Avec la wand, je pensais que ça marchait au début et j'ai pu voir que plus tard, il fallait ajouter le Tome of Knowledge Sharing. Donc en gros, je partage mes connaissances Tomcraft à l'Autonomous Activator puisque je le mets là-dedans et il peut s'activer tout seul. Et l'avantage qu'on a avec ça, c'est que l'Autonomous, en fin de compte, il est tout le temps en train de faire clic droit sur le bordel, okay, sur le Runic Matrix, sauf qu'il l'active jamais quand il n'y a rien. Et quand il y a quelque chose qui se craft, il n'est pas tout le temps en train d'envoyer une impulsion. Enfin, il essaye, mais il n'y arrive pas. Non, c'est pas du taint, hein, c'est pas du taint.
Ça ressemble à du Taint, mais c'est pas du Taint. C'est juste des Energy Zed Void Stone. Pour le crafter, c'est un Energy Zed Void Stone. Comme ça. Passer au Chisel. Pour récupérer celui-ci. Tout simplement. Et puis là, ces blocs-là, c'est juste parce que c'est des... C'est là où j'ai caché les câbles, en fait. Tout bêtement. Hop là. Donc voilà, ce qui fait que si je vais dans Applied et que je lui dis... Bon, écoute, j'ai déjà 32 Wyvern Core, ok, parce que j'en ai demandé pas mal. J'ai envie que tu m'en fasses 16 de plus. Donc ça veut dire qu'il va lui falloir un stack de Draconic Core. Théoriquement, on a tout, d'accord. On a les Nether Star pour les Wyvern Core, on a les 64 Critter Snare, on a les 64 Lem Crystal, ça évidemment on en a à foison. Cobaldite, j'en ai bien beaucoup, enfin j'en ai pas mal. Et j'ai 8 Necromantic Stone pour les transformer, juste à faire start. Et une fois qu'il va me faire les Draconic Core, il va tout placer là-dedans. Et vous allez voir que ça va crafter tout seul. Alors, s'il craft les Draconic Core, voilà, là, ça va être bon. Boum. Et ça s'envoie tout seul. La seule chose qu'il faut que je fasse gaffe, c'est que vous voyez que là, ça demande pas mal d'essentia. Il faut juste que je vérifie de temps en temps si j'ai suffisamment d'essentia. Il y a juste celui-ci qui me fait peur en ce moment. Mais ça a l'air d'aller. Hein. Donc, voilà. Je suis plutôt peinard vis-à-vis de ça, c'est cool. Et salut Chibi, salut Goldrak. Ouais, Alan Redwood, c'est la méthode la plus simple. Vraiment la plus simple. Alors, est-ce que ça a fini là-bas? Oui. Tac. Nice. Du coup, on a terminé cette quête. Ce qui fait qu'on a terminé à 100% les quêtes de Blood Magic. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, bah, il nous reste ça à faire. Ça va nous prendre un temps monstrueux à faire. Le temps qu'on puisse se crafter ça. Ok. Ça, il faut absolument qu'on se le fasse. Donc, il va falloir qu'on commence à chercher à avoir un peu tout ça. Parce qu'une fois qu'on aura celui-ci, ouais, durabilité infinie, on va pouvoir automatiser la création des de ces trucs-là. Là. Et en fin de compte, le but, c'est d'avoir tout le temps ça dans notre Applied. Jamais avoir d'essence, de Zivicio ou quoi que ce soit. Tout le temps avoir ça. Tout le temps avoir ça. Donc, il faudra qu'on regarde ça de plus près. Du coup... Oh, oh, merci F pour les 20 bits. Et GG pour Blood Magic, bah merci. Je vais remettre ça là-dedans pour l'instant. Je pourrais mettre celui-ci. Sauf que celui-ci, je vais le garder parce que celui-ci, je peux d'ores et déjà le passer au tir au-dessus, c'est-à-dire les plies. Voilà, je peux d'ores et déjà le mettre ici. Je peux le crafter comme ça. Et je pense que c'est ce qu'on va faire tout de suite parce qu'il me semble que c'est une quête qui est demandée... Je sais même pas si c'est une quête qui est demandée ça, mais de toute façon il faudra qu'on y accède. Parce qu'une fois qu'on aura celui-ci, on pourra le transformer en celui-là. Merci Kim Xo pour les 5 mois d'abonnement, salut ML et pouah. Ça va pas, ça va pouah. Salut Polo, alors t'as raté trop de trucs. T'as raté trop de trucs, c'est fini là, c'est mort, mort. Par contre je vois que, la vache, ça me demande pas mal de Crystal Cluster. Merci Kaiser pour ton 5e mois d'abonnement. Ah, ça fait longtemps que vous êtes ici. Hein. Ça fait un petit moment que vous êtes là. Mais du coup, oui, donc ce que je disais, c'est que celui-ci, là, va nous permettre d'avoir justement ça. Et il va falloir qu'on y accède à ça parce que... une fois qu'on a ça, en fait... bon, ça, peu importe. On va pouvoir crafter ça. On va pouvoir crafter ça. Et on va pouvoir crafter l'Infinity Egg. Ça, c'est important aussi. Et on pourra évidemment le passer au tir au-dessus. Par contre, le tir au-dessus, hein, ça demande un Creative Portable Tank. Donc avant qu'on y aille... Calmos, hein. Calmos. On a du taf. On a du taf. Mais comme je disais, avant, je vais quand même l'augmenter, celui-là. Donc, comment ça s'appelle? Eldritch Blood Orb. Ok. Eldritch... Wow, il est là. Right. Blood Orb, ok. Donc il me faut 2 Eldritch Eye. Je dois avoir ça. 1, 2. Ça se stack pas. Il me faut la Primordial Pearl. Alors j'espère que la Primordial Pearl je vais la récupérer. Sinon il va falloir qu'on se refasse un donjon pour pouvoir y accéder à ça. Balancer de shard. Et on se rappelle la dernière fois qu'on a fait des donjons là dedans c'était le bordel. Ouais, la orbe ultime, elle fait mal aux fesses. Hein. Elle fait mal aux fesses. Ok, il nous faut 4 voids. Je devrais avoir ce qu'il faut.
J'ai fermé un peu le Void Metal d'ailleurs. J'ai 170 blocs de Void Metal, donc normalement on devrait pas avoir de soucis là-dessus avant un moment. Et la Nether Star. La Nether Star, je pense qu'on n'a pas trop de problèmes. Donc, tac. Alors peu importe dans quel sens je les pose, hein, on a déjà vu ça. Finalement, ça servait pas trop à grand chose de se faire chier à les positionner comme il faut. Et tac, tac, et boum. Pareil au niveau des essentiels, j'ai pas besoin de m'embêter à regarder s'il y a tout. Normalement, il y a tout. Zeroro, comment vas-tu? Du coup, Wyvern Core, j'en ai 33 maintenant. C'est très bien. On va le laisser faire. Pendant que ça craft, pardon, je suis allé trop vite avec la souris. Derrière, j'ai modifié quelque chose. Alors déjà, j'ai ajouté ce mur-là pour concorder avec ce mur-là, parce que j'ai automatisé les Witch Cauldron. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et c'est pas vraiment moi qui ai trouvé la solution. Et je vous dirai comment j'ai géré ce truc-là. Mais en gros, ici, on a un panneau avec les deux chaudrons automatisés. Et juste là, pour faire la symétrique... Enfin, la symétrie, pardon. J'ai rajouté des drawers avec les autres jars, en fait. Qu'on pouvait récupérer. Alors, il y en a un autre qu'on peut récupérer. Je sais plus lequel c'est, mais bon, ça rentre pas. Et par contre, on a toujours le charbon ici. Et on a toujours... ici le wood ash. J'ai rajouté d'ailleurs au wood ash un void upgrade pour continuer à farmer un petit peu cela, parce que je sais pas si j'en aurais besoin de plus. Donc tout ça continue de fonctionner tranquillement. Tu as agrandi ton PC Altomcraft? Oui, je l'ai agrandi. Il est à 16 pédestals maintenant. Ici j'ai crafté un autre distillery. C'était chiant à crafter parce que le distillery, on se rappelle, pour le crafter il nous faut un witch oven, et le witch oven c'est ça. C'était un peu chiant. Mais on l'a refait. Du coup, ce distillery, il est... comment? Il va tout le temps faire du gypsum. Enfin, en tout cas, il est dédié au gypsum et rien d'autre. Alors que celui-ci, bah, il est là pour les autres crafts, tout bêtement. Et enfin, ça, comment j'ai automatisé ça? Sur Twitter et sur Discord, on m'a envoyé, et plusieurs fois, on m'avait fait la remarque, et on m'avait envoyé sur les vidéos de Too Asgard. C'est un américain qui fait des vidéos justement sur Divine Journey. À la base, quand j'avais regardé un petit peu s'il y avait des gens qui faisaient des vidéos sur Divine Journey, j'étais tombé sur lui en premier. Ce que j'avais pas apprécié sur son... Oh. Ah, déjà j'ai récupéré ma Primordial Pearl. Ça c'est une bonne chose. Sauf que le bruit qu'on a entendu, c'est le fait que j'ai rajouté encore des saloperies de Tomcraft sur moi. À cause de la Blood Orb qu'il y a là-bas. À cause de ça. C'est à moi maintenant. je vais le laisser. Oh, quoi que je peux le laisser ici. Lui, je vais le ranger. Donc, oui, je disais la première chose. Enfin, la chose que j'avais pas trop appréciée sur son let's play, c'est qu'il avait ajouté d'autres modes à Divine Journey. Alors, des modes qui lui permettaient de se faciliter la vie, mais aussi de se mettre de la difficulté, comme Lycanite Mode. C'est bien, mais le problème, c'est que pour moi qui aime faire les mod packs tels qu'ils sont, bah, j'ai pas trop kiffé. Mais j'ai quand même regardé. Quelques-unes de ses vidéos par rapport au fait qu'on m'a envoyé des liens. Et il a réussi à automatiser en fin de compte le Witch Cauldron. Donc je vais vous montrer comment il a fait et du coup comment moi j'ai pris ce qu'il a fait. Il a utilisé ceci. Un Inverted Toggle Bus. Sur un ME interface avec Blocking Mode. Je ne savais même pas que ça existait dans Apply Energistic, ce truc là. Et quand j'ai vu qu'il a utilisé ça, je me suis fait mais putain. Je pensais bien connaître Applied et au final je ne connaissais pas vraiment Applied. Et ce petit truc là c'est super super sympa. En gros j'explique, je vais prendre celui-ci parce que ce sera plus parlant. En gros on a un câble ici qui monte. Et ce câble là on va lui insérer un ME level emitter. On va lui insérer une carte, crafting card. Comme ça il y a ce slot là qui va s'ajouter. Donc vous voyez si je l'enlève le slot il n'y est pas. Si je le remets le slot apparaît et il y a marqué... Envoie un signal redstone quand je suis en train de crafter justement un Mutandis Extremis. Donc à chaque fois que je vais crafter un Mutandis Extremis, il va envoyer un signal. Alors là il déconne un petit peu, il va s'éteindre le truc au bout d'un moment, mais il envoie un signal redstone et on peut voir qu'ici, l'inverted toggle bus, il a un petit slow noir par rapport à là-bas où il n'y est pas. Ok. Et en fin de compte, ça fait que le câble ici d'appel énergistique qui rentre dans le ME interface, il est bloqué, il ne va pas plus loin. Vu qu'il est bloqué, il ne peut pas envoyer les items.
Et vu qu'ici on est en blocking mode, il va prendre juste un craft pour envoyer le craft. Et ensuite, lui, il va s'allumer et ça va bloquer le même interface, ce qui fait que ça va bloquer le fait qu'il puisse renvoyer d'autres items. Et c'était ça, moi, que je voulais gérer avec Apply Energistic. Enfin, en tout cas, avec comparateur pour comparer l'item qui arrive et tout. C'était un petit peu compliqué. Et au final, c'est super simple. C'est super simple. Du coup, j'ai automatisé le Mutandis Extremis. Par contre, ce serait bien qu'il arrête de déconner, là, le monsieur. Hein ? Bon, de toute façon, il va arrêter de déconner. J'ai automatisé, évidemment, le Mutandis et j'ai automatisé le Drop of Luck. Ah, franchement, ce truc-là, je connaissais pas, ouais. Alun. Je connaissais pas et c'est juste génial. Et au final, avec Applied, tu peux vraiment, mais vraiment, tout faire. Tout faire. Bon, par contre, ce serait bien que tu... hein, n'est-ce pas? Je vais te déconnecter, là. Voilà, t'as plus de redstone. Je te connecte. Tu vas pas t'allumer, toi. Hein. Device missing channel. Quand tu veux, tu te connectes. Alors, il y a des soucis avec Applied aussi. Hein. Ok, tout est connecté. Ok, device online, tout est connecté, donc c'est bon. Une chose à faire également. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mis un vacuum chest et là aussi. Ce vacuum chest, il a comme filtre le mutant 10 et le drop of luck. Mais j'ai changé le range, je l'ai mis en 2. Je pourrais le mettre en 1 si je veux parce que l'item, il drop juste devant. Hein, mais bon, dans le doute où le drop se barre un peu loin. 2, ça veut dire qu'il va gérer le bloc d'air devant et ce bloc d'air là. Tout ce qu'il y a ici, il le prendra pas. Et lui, pareil, sur 2 avec le Mutandis Extremis. Et vu que le drop of luck, pour le faire, il me faut un Mutandis Extremis, bah il va le foutre là et j'aurai aucun problème avec ce vacuum chest. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. J'ai également dégagé... Alors les Hobgoblins, ils reprennent le boulot, ok. Et au niveau de la Cobbledite, j'en ai 12k. Hein, ça a chuté par rapport à la dernière fois parce que je crafte constamment au moins 1000 Cobbledite. Donc une fois qu'il y a 1000 Cobbledite, ça s'arrête. Mais ça, la Cobbledite Dust, j'ai fait en sorte de le ranger dans un Deep Storage Unit. Donc j'en laisse juste un. Et en symétrie juste en face, je vais le remettre là où il y a la salle qui est devant. Je vais le remettre. Et toute la salle ici de Blood Magic, je vais la réduire parce qu'elle est trop grande. Et par rapport au cercle magique que j'utilise, je peux faire une salle au-dessus pour vraiment faire que les cercles magiques. Mais en attendant, bah, pas trop besoin de m'en soucier plus que ça. Salut ML, je te suis actuellement depuis la Sibérie. Merci pour les 6 heures de décalage horaire, mais je voulais juste dire que je fort ce que tu fais, voilà. J'ai pas tout compris, mais je pense que tu dois dire que tu aimes fort. Ou que tu l'aimes pas, je sais pas, vu que la phrase est pas complète, mais merci, c'est gentil. Ouais, Applied est vraiment, vraiment bien fait. Du coup, je pense que je vais essayer de me focaliser sur Applied à un moment, pour vraiment regarder tous les items qu'il y a, parce que si on regarde Applied... Voilà, les petits bugs qui arrivent. Les items sont sur l'autre page. Ils sont là. On a un toggle bus qui se craft comme ça. En plus, c'est super simple comme craft. Et pour avoir l'inverted, faut juste passer celui-là là-dedans. Et je suppose que tu peux le réinverser comme tu veux. Donc, c'est assez fou. C'est assez fou. Et je suppose que le toggle, si tu le mets, il faut faire en sorte que tes torches de level limiter soient tout le temps allumées et s'éteignent. Quand tu craftes un item. Depuis le début du live, non, j'ai juste montré un petit peu ce que j'ai fait au niveau des avancements, mais... Ouais, j'ai aussi pas mal complété le questbook. Du coup, on avait dit niveau farming, on a ça à faire. Sauf que pour faire ça, il nous faut de l'Awakened Core. Ça coûte un peu cher à faire l'Awakened Core. Donc... Je pense qu'on va se diriger vers la possibilité de ressusciter le dragon, essayer de le rebattre pour récupérer des cœurs, etc. Donc on va se diriger vers Preferred by Dragon. Et faut qu'on fasse ça là. Qu'on fasse le Wyvern Flux. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi il est fermé. Mais je pense qu'il faut d'abord que je fasse le Sword of Wyvern pour pouvoir débloquer celui-là et débloquer celui-là, je pense. J'ai dit Blood Magic. Ah, pardon. C'est Witchery. Pardon. du coup, bah, on va se faire la Sword of Wyvern. C'est parti.
Donc, Wyvern Sword. Pour cela faire, il va nous falloir des Zikor Claws. Il va nous en falloir 5. On va commencer par ça, ok? Donc, Zikor Claws. Ah bah écoutez, j'en ai pas mal déjà. Toc, j'en prends 5. Ok. Il va nous falloir 10 blocs de Draconium. Draconium, 10. Ya, 6, 10. 10, parfait. Le mec Deadcore, ça fait plus mal que ça fait plus mal qu'aux face. J'ai pas compris Dark Nox. Ensuite, il nous faut des Blood Storage. Alors, les Blood Storage, ce sont des filets de socket. Et pour faire des filets de socket, il faut juste balancer un empty socket dans un tier 3 altar pour le faire. Ça, je l'ai automatisé, étant donné qu'on avait automatisé d'autres choses. Donc, normalement, comment ça s'appelle déjà? Blood Storage. J'en ai besoin de 4. Donc il a besoin d'en crafter 14. Pour en crafter, il a besoin de mana glace, de large blood brick. Oh la vache, ça coûte cher en sang là. Bref, il m'en a fait 2. Et normalement, il est en train de me crafter les autres là. Ok. Alors par contre, je crois qu'il me les a tous mis d'un coup. Ça faudrait que je le change. Faudrait que je le change parce que si... pompe mon sang plus vite que je n'en produis, ça risque d'être un problème. Donc faudrait que je change ça en blocking mode. Bon, on va voir si ça suffit. J'espère que ça suffira. Faut que je vérifie. Est-ce que tu pompes plus vite ton sang? Non, ça a l'air de tenir au niveau du sang là. On peut voir au niveau du... du Alter Current Essence. Ça descend jamais en dessous des 237 000. Donc si je laisse ça comme ça, je vais tout récupérer d'un coup et normalement c'est bon. Hein. Je l'espère, mais en tout cas on va devoir attendre vis-à-vis de ça. Ça va être un peu chiant, mais bon. On va voir ton stockage derrière des loot à mob. Hein? I don't understand. I'm sorry. Bref, continuons. Donc ça, on est là-dessus. Ok, il nous faut un Dragon Egg. Donc j'en ai un petit peu. Voilà, on va en prendre un. Ça, c'est, j'en avais récupéré 4 d'une quête. Et un quand j'avais tué le dragon. Donc il va nous falloir un Wyvern Core Energy. Donc Wyvern Core Energy. Enfin, Energy Core, clac. Ça devrait être assez rapide, ça. Une idée de config abordable pour du mod. Je sais pas, juste d'avoir de la RAM au moins. Je pense que c'est ce qu'il faut hein, principalement. Donc il me faut la Terra Blade. Normalement ça devrait pas trop poser de problème. Living Wood. Non, c'est juste comme ça. Ouais, c'est juste comme ça. Ok. Donc Terra Blade. Ok, on l'a. Par contre, il y a des épées qu'on a. Alors Zivicious Sword, ça je dois en avoir. Hein. Ouais, j'en ai là. Smite 5, j'en ai pas besoin donc je peux la prendre. Etheric Sword, est-ce que je l'avais laissé là-dedans? Je la vois pas. Sword! Je la vois pas. En tout cas, il nous faut cette épée, c'est sûr. Parce que c'est cette épée-là. Par contre, il me faut l'Etheric Sword. Et apparemment, je ne l'ai pas. Donc, on va la refaire. Comment ça s'appelle déjà ces items? J'ai déjà oublié. Mobius. Oh. Mobius, voilà, je l'avais crafté ce truc là quand même. Voilà. Oh, ça me fait un kick au cul. C'est pas ça que je veux. Je vais devoir le crafter à la mano. Oh. C'est vrai que les sigils, je les garde pour l'instant dans un deep storage pour les transformer plus tard. Donc il va me falloir de l'iron, toc toc, et 2 diamants. Gams, 1, 2. Et table, il va me falloir une crafting table classique. On va espérer pas mourir, hein. Ça c'est le genre de truc, tu décèdes. Hein. Je me trompe.
Ah, il faut que je l'active. Oh. Donc, faut que j'en garde un actif, en fait. Ok, est-ce qu'il fait nuit dehors? Il fait nuit, c'est pas encore minuit, c'est parfait, on va le faire ici. Ok. Alors, on va ranger tout ça. Tac, tac. Faut que je récupère ma pelle. Avant qu'il y ait une invasion de zombies. Voilà, ma pelle, elle est là. Il me faut Enchanted. Oh putain, il n'y en a pas. Clac. Ah, évidemment, d'obsidienne. Fais-en 1000. J'en ai besoin d'un petit peu. Dégage, dégage. Voilà. Please. What? Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu fais là? Il veut pas me crafter ma table d'enchant. C'est vraiment bizarre. Vas-y. Pourquoi l'obsidienne, il la dégage? Ah, c'est de la compresse obsidienne. Merde, j'ai pas fait le bon truc. N'importe quoi, moi. Aïe, 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 aïe. Dégage-toi. Voilà. On va y arriver. Ah, l'obsidienne. Redstone. Ok, et il va nous falloir une safari net. On va aller récupérer un mob. Alors, j'espère que j'aurai le temps, là. Oh, ça va être tendu. Il y a un mouton, là-bas. Tu feras l'affaire, toi. Il est où, le mouton? Je vois du mouton, mais je les vois pas. Ah, attends, ils sont où, ces putains de moutons, là? Il me faut un mob, là. Où est-ce qu'ils sont, ces foutus moutons, là? Ils sont en dessous, là? Ah, ils sont en dessous. Dégage-toi. Viens là, toi. Ok. On va essayer de se dépêcher. Faut que j'enlève les torches. Ça devrait être bon, là. Ok. Lead by source outside. Perform the sacrifice. Viens là, toi. Voilà. Ok. C'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Donc on l'a activé, la sigil. C'est ce que je voulais pour pouvoir justement se faire l'épée qui me demande, quoi. Non, Kiki Dano, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. C'est pour ça que je suis obligé d'en refaire une. Justement. Parce que celle qu'il y a dans mon applied, tu vois, celle-ci, elle est activée. Elle est stable. Toi, c'est marqué juste en dessous de ma flèche. Il y a marqué stable. Celle-ci, il y a marqué active. Mais il n'y a pas marqué que c'est stable. Et le souci qu'il y a, c'est que si je fais un craft avec celle-ci, je vais récupérer des ingots stables. Et si je récupère des ingots stables, je vais pouvoir me faire un kick au cul. Et pas la fameuse épée que je recherche, malheureusement. C'est pour ça que je suis obligé d'avoir ça. Et du coup, ça, je pense que je vais le garder de côté. Parce que si je fais pas gaffe, je risque de faire des conneries. Alors, du coup, obsidienne. Pas le compresse. Voilà, celui-là. Normalement, ça devrait. Le kick au cul, c'est l'arme de Trafalgar Law. Ça devrait te plaire. Oui, mais je vais pas m'en servir. Alors, normalement, si je fais ça et que je fais ça... D'ailleurs, je vais te montrer. Tu vois, là, il est marqué Unstable Ingot. D'accord? Si je prends mon autre sigil, donc celle-ci, et que je refais la même chose, il est marqué Mobius. Unstable, stable. Ok? Et si je le change par ça, c'est Unstable. Et c'est justement ça qui m'intéresse. Donc, clac, clac. Il faut que je me dépêche avant que ça me pète à la gueule. Et voilà, j'ai une éthérique sourde. Tout ce que je voulais. Parfait. Piripipi. Donc, c'est la stable, je peux la ranger. Celle-ci, je peux la ranger. Ok, ok. Alors, on va commencer par mettre les items nécessaires pour la Wyvern Sword. Donc, il nous faut ça là. Ça là. Et tac, tac, je crois. Est-ce que c'est comme ça? Presque.
Ok, donc il me faut ça ici, le dragon là, ça ici, ça là, ça là, et enfin, tac. Il ne manque donc plus que deux Blood Storage. Est-ce que tu les as? Non. Il attend toujours pour les faire. Donc ça, c'est le problème, c'est qu'on va devoir attendre. Ma hache, oui. Elle est faite à base d'Unstable Ingot. D'ailleurs, je me demande, justement... de toute façon, ça coûte rien d'essayer, hein. Qu'est-ce que ça fait si j'en fais une à base de ingot stable? Allons vérifier. Diamond... Ah bah de toute façon je suis con, j'ai pas besoin de faire ça. Mobius. On prend 3. Obsidienne. Healing Axe, efficacité 10. Oh. Oh. Je prends. C'est beaucoup mieux que ça. Ok, ça tu dégages. Donc normalement, est-ce que Soul Bound j'en ai? Non. Cristal. Tac, tac, tac. On va lui mettre Soul Bound pour être tranquille. Chibik est fou. Chibik est fou. Qu'est-ce que tu fais toi? Ok, c'est bon. Tu devais récupérer un mob, c'est ça? Maintenant tu l'as, t'es content? Bah finalement c'est mieux, ouais. C'est beaucoup mieux. Donc on va le prendre. Et on va se le faire. Dégage-toi. Hop. Tac, tac. Voilà. Du coup, on va essayer de couper des arbres pour voir si c'est vraiment plus rapide. Genre là-bas. Faut que je rebouche ça par contre, ça fait dégueulasse. Genre instant mining. C'est bon ça. C'est bon putain. C'est excellent, j'adore. Bon, je vais reboucher cette saloperie parce que c'est vraiment dégueulasse. Grâce. Et du coup, ma super builder wand, je l'ai crafté justement avec des ingots stables. Hein. Ce bruit dans les oreilles, quoi. Ça, c'est pas beau, ça. Je vais essayer de refaire le truc proprement, mais... Oh la vache, comment c'est tellement destroy ici. Bon, s'il vous plaît, là. Monsieur Poulpe, là, tu dégages, hein. Eh, le Poulpe! Qu'est-ce qu'on a dit? Toi aussi. Ok. Ça me semble déjà mieux. Ça me semble. Ok. Bof bof, hein. Voilà, ML le producteur à farming. C'est dégueulasse, mais ça fera le taf. Parfait. Tu as ta Infinity Axe. C'est un peu ça, ouais. Parce qu'elle a pas de durabilité. Donc je peux m'en servir autant que je veux. Efficacité 10, quoi. C'est débile. Je pourrais même lui mettre Silk Touch si je veux récupérer des leaves. Alors qu'est-ce que ça dit? Ah. Blood. Oh, on les a. Blood Storage. Cool. Du coup, je mets ça là. Pas ça. J'ai fait de la merde quelque part. Est-ce que c'est cette épée qui est pas dans le bon mode? Oui. J'ai eu peur. Clac. Sword of Wyvern. Du coup, on claim ça. Et du coup, ça nous débloque les mobs souls qu'on avait déjà eu. Et du coup, là, on va pouvoir se faire la Resurrection Stone.
Et la Resurrection Stone, c'est assez simple, c'est juste du Wyvern Core avec du Mob Soul plus un chargé de Draconium bloc. Tac, donc ça, bah, ça, je vais pas m'en servir, donc je vais le ranger, ça non plus pour le moment. Une chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est automatiser la recharge des blocs de Draconique Evolution. Donc je sais qu'on a cet item-là, celui-ci, l'énergie infuseur, qui est pas compliqué à faire, pour pouvoir charger nos blocs. Mais je crois que le plus rapide, c'est de passer directement dans un vibrant capacitor. Je vais lui en demander une dizaine. Allez, go. Fais-moi une dizaine. Elle en est où, ta boule Draco? Elle en est là. On peut aller vérifier si tu veux. J'en suis à 16,957 billions de RF. Donc ça va. Et j'avais connecté celui-ci là. Hein, avec Draco Energy. Et là c'est le drame, je suis perdu. Ah, au secours, à l'aide. Non, c'est là-bas. C'est bloc noir, hein, ça te rend malade. Hein. Ah bah ça fait plaisir, le lapin du 56. Si j'arrive à te remonter le moral, ça me ferait plaisir. Et d'ailleurs, alors attends. Parce qu'il y a ça aussi à faire. On va attendre que les vibrants capacitors se craftent. Je vais voir où ça en est. On a 6. Donc les autres se craftent. J'aimerais en profiter pour vous passer deux mots vis-à-vis du fait que de temps en temps sur mes lives je gueule. Malheureusement, même si c'est quelque chose que j'essaye de faire attention, c'est-à-dire que j'essaye de pas gueuler, ou en tout cas d'envoyer chier, on va dire ça avec des guillemets, bah, les gens qui m'embêtent dans le chat, j'essaye vraiment de contrôler mes pulsations colériques. Le problème, c'est que j'ai grandi avec un père colérique, donc je suis de base colérique, et une chose qui m'exaspère, qui m'énerve et qui me rend fou, c'est quand on dit quelque chose et que la personne qui est au courant de la chose qu'on lui a dite ne respecte pas ce qu'on lui a dit, ça c'est vraiment un truc qui me saoule. Je me suis déjà pris la tête plusieurs fois avec mes anciens patrons parce qu'ils m'ont dit oui et derrière ils me disent non. Donc ça en gros c'est se foutre de la gueule du monde. Oh là. Et du coup je me suis attiré des ennuis comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai toujours été comme ça. Et même si j'essaie de faire un effort pour essayer de rester calme dans la plupart du temps dans mes lives, par moment, il faut comprendre que c'est compliqué. Quand tu répètes 3-4 fois la même chose, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. C'est soit tu gueules et t'expulses un petit peu la colère que t'as emmagasinée, soit tu t'arrêtes de stream. Oui, c'est des pulsations colériques, mais c'est tout à fait ça. Du coup, ça, je pense qu'on va le mettre au niveau des machines. On va mettre ça ici. Je pense qu'on va mettre ça derrière. Juste là. Je pourrais même en faire plus en fait. Pour que ça charge plus vite. Ouais, je vais en demander plus. Vibrant capaciteur. On va lui en demander. Tac, tac, tac. 18. Donc en gros, on aura un cube de 3 par 3. Par 3. Pour charger nos blocs de Draconium et de Draconic Evolution. Pour l'énergie, celui-ci, je crois qu'il est bon. Il est en Draco Energy. Je le décalerai juste au milieu. Et je remettrai un câble ici pour pouvoir charger ça à fond. Et ensuite, j'aurai juste à intégrer un câble là avec un autocraft et c'est bon. À ce qu'il paraît, les Draconic Infuseurs vont beaucoup plus vite. Alors, j'avais déjà fait le test sur Ragdamoth 3 et j'ai vu que ça n'allait pas plus vite qu'un vibrant capacitor. Alors après, peut-être que c'est le modpack qui changeait la chose. Mais dans tous les cas, quand tu regardes le craft de ça, je pourrais peut-être en faire deux. Mais si tu veux, j'en aurais besoin pour faire ça en fait. Tu vois, j'en ai besoin un de là pour faire celui-là. Merci petit fort. Ouais, oui. Même si je le montre pas, je suis un rageux.
Enfin, je suis un rageux. Je suis pas un rageux. C'est pas le terme exact. Tu vois, si par exemple, on joue à un jeu tous les deux, et que tu gagnes, et que tu n'arrêtes pas de gagner, et que moi j'arrête pas de perdre, ça va forcément énerver n'importe qui. Mais je vais pas non plus te dire, ouais, je vais pas t'insulter de tous les noms. C'est le jeu. C'est comme ça, t'as gagné, tu es plus fort. Donc, bah, j'accepte et c'est tout. Dans la réalité, comment je réagirais vraiment? Peut-être que je réagirais autrement, mais si tu fais que de gagner et que tu es fair-play, ça passe bien. Par contre, si tu fais que de gagner et que tu me nargues et que tu insistes en disant que je suis nul, là, ouais, je deviendrais rageux. Là, je deviendrais quelqu'un d'énervé. Mais sinon, en règle générale, quand je m'énerve, c'est que j'ai fait une connerie. Ou quand on m'énerve. Oh, la vache, il les a fait vite, hein. On va les installer, on va installer le craft tout de suite et on va voir de toute façon parce que là j'ai un vibrant capacitor pour faire ça, parce qu'on va le faire et puis on va regarder un petit peu la différence. Faudrait que je recrafte ça. Ah, faut recrafter ce truc là. Bleh. Alors on va mettre ça là. Est-ce que je peux montrer au-dessus? Non, au-dessus, je vais pas pouvoir le montrer. Ok, c'est pas grave. Donc, je vais casser ça. Je vais le mettre, genre, là. Ce truc-là, il est... Bon, on verra après pour le remplir. Conduit. Pouf, pouf et pouf. Donc là, on est d'accord. Draconique évolution. Il faut juste que je mette ça en... Input. Voilà. Donc là, je ramène du RF. Je vais attendre que ça se charge à fond. Pendant que ça se charge à fond, on va crafter l'autre truc. Alors, mes graines de capacitor, elles me servent à rien. J'hésite à les enlever parce que, très sincèrement, elles me servent à rien, en fait. Malheureusement, elles me servent à rien. Du coup, je suis obligé de me retaper ce craft à 2 balles, là. Eh oui. Alors, projectile corps. Normalement, je dois l'avoir en autocraft, ça. Donc, vas-y, fais-moi en 2. Très bien. Et alors, il me faut 12 blaze lamps. Parce que je vais le crafter 2 fois, ce truc-là. Hein. D'accord. Il va me falloir 8 redstone. Oups. Il va me falloir 4 draconicors. Ah. Fais-moi un petit dernier, s'il te plaît. Merci. Et ensuite, là-dessus, toc, il va me falloir ça. 1, 2, 3, 4, je crois. C'est ça, 4. Ça, il va me le falloir 2 fois. Oh, putain. Catalyst. Faisons une 100, comme ça je serai tranquille. Dans un mois qu'on te voit baffer les petits cons, mais non, je baffe personne. Je baffe personne. Seule personne à la rigueur que je pourrais baffer, c'est moi-même si je fais une connerie. Hop, j'en récupère 2. Et enfin ça. En faut 2 aussi. Tac. Je peux ranger ça d'ailleurs. Et normalement, tac. Ah, les corps sont pas faits. Non, les corps sont pas encore faits. Ok, il attend les magicals. Sauf que les magicals ne les feront pas parce qu'il y a ça. Ok, il a décidé d'en faire plein en fait. Bon, bah on va le laisser tranquille. Hein. Quoique là, il fait... Ouais, là, il fait les Magicals, ok. Non, même sur les mers. On se créait un personnage avec Wotan, c'est tout. Hardcore. Hop, il y en a un là. Donc, tac. Et le deuxième. En vrai, Mel, il est soft sur les stands.
Alors, si t'en as un qui vient devant moi et qui me dit clairement, enfin, qui m'insulte clairement en face, je crois que je lui colle mon pain dans la gueule. Mais après, ce sera mal vu, hein. Mais bon, faut pas insulter les gens, c'est pas bien. Bon, s'il est jeune, qu'il est en dessous de 18 ans, je vais pas le frapper. Par contre, s'il est jeune, enfin, s'il a 18 ans et plus, et qu'il m'insulte, il est adulte et responsable, il est censé savoir que ça se fait pas. L'escrime de limite limite. Aïe aïe aïe. Mais par contre, il a du mal avec celui-là. J'ai peut-être dû retirer une connerie. Merci Alex. Mais ouais, j'en ai conscience, t'inquiète pas. Hein. C'est juste que. Bah, c'est pas si simple que ça. Hop, c'est bon. Mettre des pains pour un ancien. En plus, j'étais ancien boulanger, donc mettre des pains, je sais ce que c'est. Hein. Tac, tac. Eh bah, allez, on va crafter ça. Oui, c'est ça, s'il y en a un qui m'insulte et je fais, t'as quel âge? J'ai 16 ans, je fais, allez, c'est bon, tu peux passer. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Puche. Je pense pas que ça se passera comme ça, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la petite baguette, voilà. Et en attendant, vu qu'ici c'est terminé, on va également lui donner le craft à faire. Clac. C'est vrai que j'ai pas besoin de cliquer. Hein. Je suis très déçu de ta blague. Écoute, F. Déjà, merci pour les 10 bits. Et c'est pas une blague, c'est vrai. Une droite de ML, baisse dédicace ever. Si j'arrive à casser une dent, ouais, c'est à vie la dédicace. Hein, mais bon, on va éviter quand même. Oh, pas la cicatrice, non. Je veux pas. Je veux pas des effusions de sang non plus. Ils servent à quoi les cristaux? Lesquels cristaux? Ah, ça! Ça sert à stabiliser le craft d'un runic matrix. Parce que dans Tomecraft, quand tu fais des crafts avec le runic matrix, donc en gros ça, plus tout ça, plus des essentia qui sont en train d'être pompés actuellement grâce à une machine que j'ai installée en dessous, ça se voit en dessous là. Ça va créer du flux autour de ce craft. Et plus je vais installer de cristaux comme ça, plus ça va stabiliser le craft. Moins il y aura de flux, voire plus du tout. Et là, tous mes runic matrix sont stabilisés et j'ai plus aucun flux. Something is following you. Ok, si tu veux. Je nous sais pas un vin, c'est un coup de baguette. Faut pas être très fort les coups de baguette. Hein. Il y a les dédé boobs et les dédi pains. Personnellement, je préférerais une dédi boob quand même. Hein. Mais bon. Ah, chacun a son truc. Hein. À quand la venue aux conventions en Suisse, ML? Bah écoute, Aven, quand une convention en Suisse m'aura invité, je viendrai volontiers. La dédicatrice, ça c'est beau Star Phoenix, ça c'est beau. J'éviterai, mais c'est beau. Alors là, c'est en train de prendre les items. Donc, on va se crafter ça. Il va me falloir 6 Draconic Core. Draconic Core. Nice. Ok. Ok, j'ai les deux là. Vibrant Capacitor. De toute façon, il va m'en falloir un autre aussi. Vibrant Capacitor. Non, c'est pas ça un vibrant capacitor, c'est ça un vibrant capacitor, voilà, merci. Et il me faut 8 draconium blocs. Draconium blocs. Y'a draconium blocs. Ya ya ya. Ok, let's go. Touk, 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 touk. Yeah. Impeccable. On fait la même ici. Bim. 1, 2, 3. Vibrant.
Boum. Clac. On va crafter les deux. Mais elle a fait un parfait mélange entre un viking et un allemand. Non. Mais non. Qu'est-ce que ça dit en dessous? Ça va être un peu long. En attendant, on va regarder comment ça se charge, un draconium block dans les vibrants capacitors. Parce que je me souviens que moi, sur Project Ozone 2, je l'ai chargé avec les vibrants capacitors. Hein. Parce que là, en fin de compte, les max output, c'est 675 000 RF. Et pour le charger, il faut... Alors, je sais plus combien il faut de RF, par contre. On va regarder. Mais en gros, c'est par tick, ça. Donc, Draconic Evolution. On va lui demander une dizaine de blocs. Bon, on s'en fout. De toute façon, on les a en mode à foison. Ok, je vais juste prendre un bloc. Et là, on regarde. Donc, en gros, plus mon vibrant capacitor banque, là, plus la masse que j'ai... sera importante, plus ça chargera rapidement, je pense. On peut tenter, hein. Donc, vibrant capacitor, on va lui redemander 18. Soyons fous, demandons 18. Donc, on va ajouter 3 là et 3 là, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus large. Et normalement, ça devrait crafter plus vite, parce que là, c'est terminé de crafter, hein. Donc, on va voir. On va voir. Quoique... Wow, trop vite. Quoique en soit, de toute façon, ce qu'on a crafté avec les Runic Matrix, il va falloir qu'on les récupère. Aïe, je me suis bouffé un mur. Pas très agréable. C'est très bizarre comment il est posé, le capacitor bank. Hein, et je crois qu'il est un peu bourré, le truc. Ça dit quoi, là? Oh là là, c'est long. Le chat est beaucoup trop rouge. Ah bon? Bonsoir Team Neotech X12. Comment est-ce que tu vas ce soir? Fais un clic gauche sur le vibrant capacitor, ça donne des infos. J'essaierai ça après. Ça va être fini ça, celui-là. Après, faut absolument qu'on crafte ça. Hein. Attention. Bah écoute, ça va super. Merci, Team Neo. Bon, c'est fini, ça. Ok, c'est fini. Ah, il le compte pas. Oh, il le compte pas. Faut le prendre dans la main. Je l'ai pris dans la main. C'est bon? Ouais. Claim. Du coup, vérifions. Ok, on va mettre ça, genre, là-dessus. Et si je mets un draconium block? Ah! C'est peut-être mieux, effectivement, c'est peut-être mieux. On a bien fait d'en crafter deux, alors. Ça veut dire que mes vibrants capacitors, ils me servent à rien? Oh. Donc on va auto-crafter ça, hein. Parce que ça, c'est clairement mieux. C'est instant. On va pas se faire chier, hein. Ça veut dire que sur Project Ozone 2... c'était réduit ce truc là. Sur Project Zone 2, ça allait pas super vite. C'est bizarre. Enfin bon. Clairement, il est très bien ce truc là. Il est très bien. Bon bah tant pis, les vibrants capacitors, j'en ai plein, mais. Donc, interface. Il va falloir interface. S'il te plaît, conduit. Je vais prendre ça, speed upgrade, interface, voilà, merci. Est-ce que je peux pomper les items vers le haut? Apparemment je peux, donc je vais pouvoir faire juste ça. Théoriquement, hein. Théoriquement, ça se fait. Donc si je mets ça là, non, il faudrait que je le connecte à Upline, ce sera la meilleure chose à faire. Câble. Clic. Écoutez, on va créer un autocraft. Alors, ADESN, c'est Draconic Evolution.
Donc, un Draconium Block, ça me donne un Draconium Block Charge. On va voir si ça marche bien. Donc, je vais le mettre là. Draconium Charge, go, m'en faire. J'ai pas cliqué sur go en plus. Non, ouais, j'ai pas cliqué sur go. C'est pas grave. Tac, start. Ok, il l'a mis dedans. Et instantanément, ça a été fini. Donc théoriquement, je peux faire ça. Extract, speed upgrade, et boum. Il me l'a retiré le bloc. Ok, très bien. Ça veut dire que maintenant, je lui mets mes 13 là-dedans. Je mets les 12, les 2 ici. J'en ai 3. Si je lui en demande 10... Voilà, impeccable. J'ai pas besoin de m'en soucier maintenant. Enfin, j'ai plus besoin de m'en soucier. Donc, on va le laisser ici. Parfait. J'ai pas encore fait mon champ de Minitio. Je pense que mon champ de Minitio, je le ferai quand on aura atteint... dans Farming, quand on aura enfin atteint ce stade-là. Pour atteindre ce stade-là, il va falloir des Awakened Core. Et justement, c'est mon but. C'est d'accéder à ce stade-là. D'ailleurs, ça, je pense qu'on pourrait l'auto-crafter, mais je pense pas qu'on ait besoin de grand-chose de ça. Juste pour ça. Ok, bref. On va aller par là-bas. On va récupérer notre ami, celui-ci, qu'on va mettre là. Et si on regarde, celui-ci, c'est un craft qui se fait dans la table de Tomcraft. Donc, il va nous falloir des Wyvern Core. Donc... Wyvern Core, j'en ai pas mal même, 1, 2, 3, 4, et des un charge, très bien, et Mob Soul. Je pense que je vais prendre cela parce que j'en ai beaucoup, et théoriquement si je donne ça comme ça, et que je fais ça comme ça, et que je fais ça, voilà, il va enregistrer ce truc là, boum. Ça malheureusement, mon Knowledge Core, il est plein. Donc si je veux faire d'autres autocrafts qui se fait dans l'arcane table, juste là, il va falloir que j'installe un autre arcane assembleur avec un autre knowledge core. Il va falloir que je fasse ça. Mais en attendant, ça c'est fait, je vais pouvoir lui demander un Resurrection Stone. Next, start. On y arrive, voilà, il est là. Théoriquement, ça fait maquette aussi. Hein. Touk, touk, voilà, maquette elle est là. Claim, et ça me donne 4 Void Metal. C'est mignon tout plein. Alors maintenant qu'on a automatisé ça, je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon, par contre, les Wyvern Core, ça va prendre du temps à crafter. J'en ai déjà pas mal, mais j'ai pas envie de les utiliser plus que ça. Il va me falloir du Quartz. Quartz, fais-en 100. Je crois que le... Tout. Voilà, je crois que c'est juste comme ça qu'il faut que je fasse, ouais. Ok, il va me falloir de la glowstone. Il va me falloir 4. Ok, de l'obsidienne. Ouais, fais-en plein. Ok, il va me falloir 4 aussi. Il va me falloir draconium. Il va m'en falloir 4. Et il va me falloir diamond. Il va me falloir 4 blocs de diamants. Et avec tout ça, normalement, on est censé... Alors peut-être pas avec autant de quartz, mais on est censé pouvoir ressusciter le dragon. Peut-être qu'elle peut être plus puissante, l'épée de Draconic Evolution. Actuellement, elle fait 25% de damage. Avec celle-ci, je fais 38. Plus Sharpness 5, j'en fais plus. Donc théoriquement, ça devrait, on devrait pouvoir s'en tirer. Je pense que j'ai pas trop de soucis avec ça. Non, j'irai pas faire le Chaos Guardian. Tant que je n'ai pas une bonne armure, c'est vraiment la dernière chose... que je ferai. Donc en gros, l'idée c'est de récupérer des cœurs. Parce qu'avec un cœur, on peut récupérer 4 Awakened Draconium blocks. Et d'ailleurs, je vais faire un calcul rapide. Hein. Parce que pour crafter un Awakened Core, il me faut 3 ingots plus 1 bloc. Ça veut dire que. Et je vais prendre mon papier qui est avec mon stylo pour que j'évite d'écrire n'importe quoi. Enfin, que j'essaie de me souvenir de ce que je veux faire. Alors, donc avec un cœur, on peut récupérer 4 blocs, ok. Pour un craft d'Awakened Core, il va me falloir un bloc, donc moins un bloc.
plus 3 ingots. Et les ingots, c'est moins 1 bloc. Donc en gros, il va me rester 2 blocs et 6 ingots. Ça veut dire qu'avec un cœur, je peux faire 3 Awakened Core. Ok, c'est bon à savoir ça. Ça veut dire que si je veux me faire ma boule là, ok, ma petite boule, et que je peux faire que 3 Awakened Core par cœur, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, il va me falloir 3 cœurs en fait. Il va falloir qu'on se fasse le dragon 2 fois. Et je pense qu'on va se le faire 2 fois. Donc on va se le faire 2 fois. Allez, c'est parti. 4. L'obsidienne, j'ai pas besoin de la reposer normalement. Juste besoin de la glowstone. Clac, clac, clac. Voilà, le quartz, normalement, je devrais en avoir assez. Je vais quand même vérifier le nombre de quartz nécessaire. Parce que j'ai un doute. Je vais ranger tout ça, que ça me sert à rien pour le moment. Ça aussi. Donc là-dedans. On s'en fout de ça. Descends. Voilà, Resurrection Stone. Non, c'est pas ici que je vais pouvoir aller. Awakened, non. Dragon Heart. Voilà, c'est ça. Non plus. C'est peut-être tout en dessous. Hein. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, il me faut juste 12 de quartz. Ok, bah c'est bon. On a ce qu'il faut en quartz. Donc, Resurrection Stone, il va nous en falloir une autre. Easy peasy, voilà. Et Draconic, toc, toc. Ok, on a tout. Bon. L'épée de Draconic tape 10%. Attends. Plus 10% mob health. Alors, pour l'instant, je me sens à l'aise avec cette épée. On va quand même regarder ça. Hein. Il me semble qu'on peut l'améliorer. Ouais, mais pour l'améliorer, il va nous falloir l'autre machine que j'ai pas encore faite. C'est-à-dire celui-ci, qui se craft comme ça. Ça, on pourra le faire après, juste après d'ailleurs. Il faut juste qu'il soit chargé, lui. Donc si je me mets là et que je fais ça, je le charge à fond. Ok. On va essayer de taper avec les deux, on verra. On verra, on verra. Ok. On va prendre ça. De toute façon, j'ai mes pommes. Normalement, il ne devrait pas trop avoir de soucis. End. Hop. Alors oui, au niveau de l'end, il n'y a pas un seul mob. Tout simplement parce que j'ai installé une magnum torche. J'en avais marre de venir ici et de me faire agresser par tous les mobs du jeu, quoi. Je pense qu'on va installer ça là. Ouais, on va installer ça là. Je vais juste reboucher ces trous là parce que j'aime pas qu'il y ait des trous qui traînent comme ça là. Voilà. Deux petits blocs. Allez, trois parce que je vois qu'il y a un trou ici. Tac, 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 tac. Ok. Resurrection Stone. Glow Stone. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Normalement, c'est bon. Oh, on rappelle le dragon. Oh, ça fait du bruit. Quel est là, le dragon? Viens là, salopard. Alors les bruits qu'on entend, c'est les mobs qui ont spawné. Hein. Alors, fais voir. Viens, viens là. Oh, ça lui fait que dalle mon épée, attends. Descends. C'est vrai que c'est pas con, faudrait que je pense... Oh, il récupère sa régène. Il récupère sa vie à fond, en fait. Attends, il y a les cristaux qu'on repop, là. Ils sont où, les cristaux, là? Il n'y a aucun cristal. Alors là, si je le tape avec ça, ça fait quoi? Ouais. Ah ok, c'est bon, il a arrêté de régène. C'est vrai qu'il avait un moment de régène pendant un moment. Donc je pense qu'avant de refaire spawn un deuxième dragon, enfin le deuxième dragon, on va aller se faire une seringue.
Allez. Viens là. Il a 30 secondes de régène. Ouais, c'est ce que j'avais oublié, ce détail. Tiens. Ah, voilà, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens te battre, viens te battre. Mais si je le tue, c'est pour récupérer son cœur. Voilà pourquoi je le tue. Attention! Tiens! What the bug? C'était débile, ça. Ah oui, la wireless infinie, c'est toujours impossible. C'est pas le dragon qui drop ce qu'il faut pour faire ça. Arrêtez de me tirer dessus, les bestioles, là-bas. Attends, le dragon, j'aimerais bien que tu viennes vers moi, là. Viens vers moi. Oh, mais c'est quoi ces bugs dégueulasses, quoi? Please, le dragon, là. Oh, mais hé hey. Tiens! Encore un coup, il s'éponge dans ta face! Voilà! Ok. Ils sont super chiants, ces mobs, hein. Pas où il est d'ailleurs le mob, mais il est super chiant. Et pan le dragon. Ouais, et pan. Alors il est où l'enfoiré qui me tire dessus depuis tout à l'heure là? Regardez-moi ça, c'est vraiment de la merde ces bobs. Hein. Merci Divine RPG pour ça. Hein. Ouais, ouais. Salut. Salut, je me casse. Ok. Donc on a récupéré un autre dragon. Donc on avait dit qu'avant, syringe. Je peux se la faire. RF Tool. Elle est là. Est-ce qu'elle est impossible à faire? Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Il y a quand même une étape avant de pouvoir la crafter, mais bon. Merci, Beck. Donc, on a l'empty syringe. Et maintenant, il faut faire celle-là. Elle coûte quand même un peu cher. Hein. Vu tout le Dark Steel que ça demande. Ok, et du coup, une fois qu'on aura ça, on va juste pomper le sang du dragon pour pouvoir se faire plus tard une dimlet pour le dragon. Quand on attaquera RF Tool. Je vais récupérer un petit peu ma bouffe. Et on retourne dans l'end. Merci Tomcraft pour cette magnifique vision. Hein. On apprécie ça forcément. Alors toi, tu dégages. Ok. Ah, une chose que je peux faire aussi avec eux là. Regardez, vous voyez qu'il vient de me dropper un end portal. Lui. Donc s'il te plaît, tu peux m'attaquer si tu veux, je m'en tape. Et je vais te capturer, mon pote. Je vais te capturer, mon pote. Je vais te capturer, mon pote, j'ai dit. Oh, tiens, je t'ai capturé. Donc lui, je le capture tout simplement parce qu'il va me permettre de farmer ça. Et ça, on en a besoin pour... bon, pour ça, pour... Principalement pour ça. Mais je crois que c'est un bloc qui me sert pour faire quelque chose. Je sais plus exactement c'est quoi. Le spawner des RevTool ne marche pas avec cette seringue. Non, je pense pas. Hein. Ok, bon, pour l'instant, là... Alors, ça s'appelle comment? Triplet, ouais. Le triplet, je vais m'en souvenir que ça s'appelle comme ça. Il est où mon sac? Je l'ai rangé là-dedans. Je l'ai rangé là-dedans, ok. Tac, tac, tac. Oh, d'ailleurs, il a même pas utilisé mon empty syringe. Ça veut dire que j'en avais peut-être déjà une. Ah, j'ai dû m'en servir quand je me suis tapé les pink slime. Bon, bref. On est reparti. Je récupère l'XP. Toc. Voilà. Bon, l'avantage c'est que le dragon il respawn assez rapidement, ça c'est plutôt cool. Wow. C'est chaud. Voilà, il a repop. Viens là mon ami.
Faut que je te donne des coups. Viens, viens, viens. Viens, 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 je t'ai dit. Et viens là. Allez, c'est bien, viens. Tiens, tiens. Je m'en fous de ta régène, je veux juste ton sang, là. Et viens par là. Tiens. Reviens, mon petit pote. Reviens, mon petit pote. Ah, c'est bien. Bam, bam. Je suis à combien, là? 90%. Allez, encore un petit coup, là, c'est bon. Je vais dire une bêtise, mais j'ai profité que j'ai failli te dire pourquoi tu ne fais pas ce poney dragon. Ah, bravo. Voilà, j'ai... Oh, le petit coup de la seringue, là, c'est bon. 100%, 100%, parfait. Cette seringue, je vais précieusement la ranger. Oh là, attends, non. Je suis à 90. J'ai dû avoir un bug. Tiens. Oh, mais s'il te plaît, là. Tiens. C'est bon, là. Je suis bon, là. Ok. Je suis à 100%, hein. Ok. Ça a l'air d'être bon. Donc, c'est parti, mon ami. Je vais te faire la tête au carré. Donc, si tu l'as déjà... La vache, le knockback qu'il a, c'est assez impressionnant. Hein. Viens là, viens là. Oh putain, allez. Bon, on va t'attendre. Hein. ML le moustique, c'est un peu ça, ouais. Tiens, tiens. Je devrais me faire une arme de... pour pouvoir taper à distance. Il n'y a pas de site de Awakened Draconium. Elle n'existe pas. Mais non! Qu'est-ce que je les aime pas ceux-là? Faut vraiment que je vous dise parce que je... les pires mobs du monde. Cassez-vous. Eh bien. Viens là. Allez. Tiens. Salaud, il a fait demi-tour. Voilà, tiens, prends ça en tes dents. Il se barre. Si, j'avais une arbalète, mais je crois qu'elle est pas puissante. Hein. Elle doit être toujours là-dedans. Allez, je t'attends, je suis posé là. C'est bien, je suis là, regarde. Hop, hop. Je vais reprendre mon arbalète d'ailleurs, mais elle est là. Avec mes bolts. Oh, ça fait le taf. C'est pas puissant, mais ça fait le taf. Sauf que là, j'ai plus de bolts. C'était le problème que j'avais avec ces trucs-là, c'est que c'est... Tant que j'ai pas les bolts à l'infini, c'est un peu pourri. Prends un minigun. Bon. Viens là. Et... J'allais dire et bim. Tu me fais mentir aux viewers, là. Voilà. Et bim. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Bon, je peux tenter de récupérer ce qu'il a drop, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Hein. Oh, cette pluie d'XP. Oh là là. Pas puissant, mon œil. Non, franchement, l'arbalète, j'ai déjà vu pire. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les œufs à récupérer. Je crois pas avoir de piston sur moi. On va faire ça, hein. Tac. Et tac. Ok, ils sont là. On va les récupérer à l'ancienne. Voilà. Parce que de toute façon, des œufs de dragon, je crois que je vais en avoir besoin pour faire toute l'armure de Wyvern. L'arbalète est complètement pétée. Oh, si vous le dites, je vous crois. Ok, ça en range. Alors. Hurt, j'en ai 3. Ok, ça se stack pas. J'avais oublié ça. Ça, je peux le ranger, je m'en fous. Ça aussi, ça aussi. Pour avoir des Awakened Draconium, il va me falloir des Draconium blocs chargés.
Là, j'en ai 3. Il va m'en falloir 1, 4 et 4, 8, 9. Il va m'en falloir 9 en plus. Bienvenue, Team Neo. 4 et 4, 8 et 4, 12. Normalement, je devrais en avoir 12. Voilà. Donc, on a ça. Et il va me falloir des Draconic Core. Il m'en faut 16 par l'autre 4. Donc, ça veut dire il m'en faut 48. Est-ce que tu peux m'en faire 48? Oui. Salut MG, t'as loupé pas mal de choses quand même. Hein. Ok, 16 de chaque, très bien. On va pouvoir se faire nos Draconium blocks. Alors, il y a une petite astuce à avoir, c'est avec ça là, le Creeper Trophy. On va se le faire, parce que le Creeper Trophy, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fait des explosions, donc il active les choses qui demandent une explosion, mais ça fait pas de dégâts, donc c'est plutôt cool. Et je pense qu'il y a moyen d'automatiser le fait d'avoir des blocs de Draconium avec ça justement, d'ailleurs... Fais voir. Autonomous. Moss. 1470. Ok. Ah! Les araignées partout! Cassez-vous! J'ai hâte de voir les premiers ingots Draco. Bah on va les faire justement les ingots là. On va les faire. Mais j'aimerais d'abord voir l'autonomous. Alors déjà, on va se mettre en mode chargeur. Charge-moi ça. Ok. Ah il le charge pas comme ça. Voilà. Draco. Pas Draco, pardon. Tesseract. Par contre, ça me fait faire des dégâts quand même. Hein. Donc, vous voyez qu'on peut activer le creeper avec ça. Donc, à mon avis, il y a moyen d'automatiser la chose avec une impulsion qui va me permettre d'envoyer un clic droit là-dessus. Alors, attends. Les araignées qui m'embêtent depuis tout à l'heure. Ok, c'est bon. Merci Forget pour les 101 bits. Salut, diminuons le bits boss. Moi, effectivement. Ah oui, c'est vrai que le bits boss, Asténia, il avait posé les couilles sur la table. Hein. Ouais, ces araignées, ouais, c'est un petit peu dégueulasse. Hein. Du coup, on va pouvoir faire les blocs ici, tout simplement. On va poser ça là. On va mettre 4 blocs ici. Très bien. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer le magnet, jeter le cœur là, cliquer. Ah, oh, le cœur, il est mal mis. Ça, par contre, c'est relou. Si je le mets au milieu, là, c'est bon. Voilà, le cœur s'active. On va jeter 16 comme ça. Il les a pris. On attend un peu. Il va tourner de plus en plus vite. Il va exploser et il va transformer ses blocs en Awakened Draconium Block. Boom. Et voilà. Mes premiers blocs. Parfait. Et du coup, ça va me remplir la quête. Qui se trouve juste là, ici. Claim. Ah, pas autant que Monkey, ouais, non, mais Monkey, lui, c'est Monkey, hein. Alors, on va le refaire encore. Ok, on jette les 16. Donc, en gros, pour automatiser ça, il faudrait que la statue de Creeper reste sur place. On est des formation planes qui posent les blocs chargés. Et une fois qu'ils sont chargés, on peut peut-être récupérer un signal pour envoyer et le cœur et les 16 draconium blocs, faire exploser le creeper et ça va tout seul. Et ensuite, les annihilation planes, qui seront au-dessus probablement, récupéreront les draconium cores. Enfin, les draconium blocs. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc comme ça. Ok. Alors s'il y en a qui se posent la question, pourquoi tu mets pas le cinquième, pourquoi t'en mets pas plus et pourquoi tu peux pas farmer plus, c'est tout simplement parce que c'est fait comme ça. C'est fait en sorte que tu peux mettre que 4 blocs. Ah, ça fait du bien quand même d'être au niveau de Draconic Evolution. Hein. Je regarderai hors caméra
Comment je pourrais gérer l'automatisation de ça? Pourrait être intéressant. Parce qu'on va en avoir besoin de pas mal. Pour farmer les cœurs, je vais être obligé de le faire à la mano dans la dimension de dragon qu'on fera, mais autrement. Autrement, on fera autrement. Tout simplement. Statut de creeper, tu vas rester là pour le moment. Donc, écoutez, je pense que c'est le moment. Il faut qu'on fasse... Ils sont où? Là. Il faut qu'on fasse ça. Ok, les Awakened Core. Eh ouais. Que Ned Core. Et il va falloir qu'on se fasse aussi... Master in... Voilà. Pour pouvoir se faire ça... Ok, donc ça on verra après pour le craft, hein, ça se fera plus tard. Il faut qu'on en ait 8. 8 draconiques. Enfin, Awakened Core. Donc ça veut dire que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et à chaque fois, il va falloir qu'on en ait... Oh, attends, parce que là, je vais me perdre dans les calculs. Ok. Et en faut 3 à chaque fois. Donc j'ai juste en transformé 2 autres. Ça me semble exact, ouais, c'est ça. Par contre, maintenant, il va me falloir 4 Wyvern Core par ça. La vache, ça fait du bruit derrière. Hein. Alors, Wyvern Core. Je pense pas qu'on puisse tout faire d'un coup. Hein. Ah, quoique. Si. Relou. Ok. Mais non, mais... qu'est-ce qu'il fait? 4. 4. Oh là là. Ouais, reprends tout ça, là. Voilà. 2. 3. 4. Ok. Donc, il va me manquer juste un Wyvern Core. Qu'on va lui demander. Parce qu'il me faut des Wyvern Energy Core pour ça. Donc, on a les 4 à chaque fois. Parfait. Et je pense qu'on peut faire un autocraft directement pour le Runic Altar pour ça. Donc, on va le faire tout de suite. On va lui demander un bloc d'Awakened. 3, 4. On va attendre qu'on ait les 6. Oh, tu me diras, je peux faire les 7 que j'ai là. Pour le moment. Ok, juste 1. Ça va me donner par exemple ça. Ah, on s'en fout pour le moment. Parce que pour l'instant, on n'a pas les Awakened Core. Oh, mais ça, c'est relou de Tomcraft. C'est vraiment un des pires, quoi. Quand t'es ces saloperies qui spawnent et qui viennent t'emmerder. En plus, tu vois flou. C'est super chiant. Alors, j'ai pas encore fait toutes les runes. Mais je pense que je vais mettre ça là-haut. Ouais. Donc si je lui dis... Alors par contre, il faut que je range ça, ça et ça. Quest book. Fais-moi en 1. Voilà. Il le craft. Il a besoin d'une quantité de mana assez impressionnante. Est-ce qu'on va avoir le temps de le crafter avant que le bloc ne dispone au-dessus là. Je vais rester devant pour voir. Mais en tout cas, lui, il aura toujours de la mana parce qu'il a un augmente et il récupère de la mana un peu derrière. Donc, il devrait pas trop y avoir de soucis. Peut-être que je pourrais mettre des lens aussi devant. Ça peut être une solution. Mais des lens, je sais pas trop lesquels sont les plus efficaces. Est-ce que vous savez quel lens, mana lens, il faudrait que j'utilise pour que ça aille plus vite? Je les montrerai après les avancements. Le warp c'est bien, ça veut dire que t'es taré et être taré c'est bien. Non, c'est pas bien. Salut Xun. Lens Potency plus Velocity. Ok.
Velocity plus potency. Ok. Bah écoute, on va faire ça. Tac, tac. Alors, ça, de toute façon, je peux le rassembler. Hein. Ok. Potency plus velocity. On va s'en faire 6. Nice. On range ça. Velocity. 1, 2, 3. Et potency. 1, 2, 3. Et techniquement, je peux les assembler les deux. Hein. Non? Est-ce que je peux poser les deux devant? Non, je peux juste en poser un. Comment tu fais les deux d'un coup? Tu peux pas mettre les deux d'un coup? Est-ce qu'il y a moyen de mettre les deux d'un coup? Ça, par contre, je sais pas trop. Hein. Ah, avec un slime ball, c'est vrai. Merci. Tac, tac. Ok, nice. Nice, nice, nice. Merci beaucoup. Velocity, potency. Ok. Tac, tac. Ça, ça peut se ranger. Boum. Perfect. Donc, je vais les mettre là. Est-ce que ça va un peu plus vite? J'ai l'impression que ça va quand même un peu plus vite. C'est une impression. De toute façon, on verra pour refaire le craft. On verra après derrière. Attention! Boum! C'est terminé. Eh ben, ça, on met du temps. Hein. Juste récupérer ça pour modifier le craft. On va le remettre là. Clac. Awakened. Touk, ça m'en fait un. On confirme. D'ailleurs, je vais le prendre pour la quête. Je vais retourner là-bas pour lui demander de me le faire. Et du coup, on va relancer un craft pour voir la vitesse. Toc. Donc, je vais pouvoir ranger ça. Wyvern. J'en ai plus que 4. Ah, c'est parce qu'il est en train de le faire, c'est ça. Il m'en reste combien à faire? Attends, il y a une couille dans le pâté. Je suis pas censé en avoir 4. Hein. Attends, 5, 6. C'est 6 qu'il fallait? Je ne sais même plus. Non, c'est 8, c'est bien ça. Nani! Qu'est-ce qui se passe? Faut que je regarde un peu ce qui se passe là-haut. Encore? Voilà. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, il en reste deux ici. Pourquoi tu prends plus de redstone, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, ça a encore des bugs, ça. Ça, c'est relou, ça. Ah, redstone. Il est en train d'en crafter, en plus. Tu les mets pas là-dedans? C'est quand même incroyable. Ça, c'est vraiment un gros problème. Hein. Je peux rien y faire, en plus, avec ce problème. Il y a trop de wrench là-dedans. Tu vas m'en ranger au moins une là-dedans. On enlève ça, hein. Et on reconnecte. Voilà, là, il récupère la redstone. C'est stupide. Bonsoir, Al-Kazim. Idéalement, il faut approcher les spreaders. Il ne peut y avoir... Il ne peut y en avoir qu'un... Attends. Ah, plus la vite, plus la vitesse de transfert est importante. D'accord. Je pense pas que j'ai le damage chunk parce que je suis toujours dans une zone chargée ici. Tout ça c'est chargé. Et ici c'est chargé. Donc c'est pas possible. Bref, les Wyvern Core, il me les fait, donc c'est bon. Retournons là-bas.
Il y avait le même bug sur son LP, ça c'est vraiment chiant. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bref, d'ailleurs, Wyvern Core, on va récupérer la quête là-dessus. Ça me donne une Death Protection Puppet et un Tag Lock Kit. Faudra qu'on regarde pour automatiser d'ailleurs le craft des Death Protection Puppets. Parce que ça, faut le, ça je l'ai auto-crafté, il me semble. Mais pour avoir le Death Protection Puppet, voilà, il faut qu'on passe par là en fait. Et Drop of Luck, on l'a automatisé. Ça, on l'a automatisé. J'ai juste à mettre ça et puis c'est bon. On verra à ce moment-là. Toc. Je suis trop loin de mon truc là, c'est ça? Non, c'est parce que je peux plus l'ouvrir. Ok. Donc. Core. 6, 7. Il n'y en a plus qu'un à faire. Allez, vas-y, tu peux le faire. Pirli, pipi, pipi. Alors, fais voir. Il le fait tranquillement. Gypsum, il est toujours en train de le faire, c'est bon. Dès qu'il aura le 7ème, je vais lui demander de me faire 7 Awakened Core. Voilà, il a les 7. Donc je vais lui demander 7 Awakened Core. Il a tout ce qu'il faut. Start. Et il va tout balancer là-dedans. Et techniquement... Ah, il va pas me le balancer dans, ce, dans le sens que je veux. Ok, stop, arrête ça. Fais ça plutôt. Recommence. On devrait être mieux là. Hein. Ok. Et là du coup il a le reste ici qu'il mettra après. Très bien. Effectivement ça va plus vite que tout à l'heure. Hein. C'est sûr que si je les collerais ce serait mieux. Mais du coup, tu disais qu'il fallait utiliser... Ah, il peut y avoir qu'un pulse de mana en vol. Ok. Bon. Je pense que ça devrait suffire. Je pense que je peux accélérer le processus, mais... On n'est pas trop mal là-dessus, je pense. On n'est pas trop mal. Test un chunk loader. Il y a déjà un chunk loader sur place. Tu veux pas augmenter tes processeurs applied. Pourquoi tu veux absolument que je fasse ça? J'en ai pas besoin. Hein. J'ai aucun problème avec ça actuellement. Donc on va ranger les Awakened Core. Je vais attendre que celui-ci se termine. Voir si l'autre se lance correctement. Et si l'autre se lance correctement, on va quitter la zone parce que bah, ça devrait être bon. Oh, l'armure, je suis pas pressé de la recharger. Hein. On va pas ressortir, je pense pas. La rediffusion, je vais essayer de la faire sortir entre 1h30 et 2h du matin. Ok. Donc normalement, voilà, là, il place les items. Ok, on va le laisser bosser. En attendant, on va crafter tout le merdier nécessaire pour se faire la Master Infusion Stone. Ok. Donc, la Master Infusion Stone va me demander du Glowing Mangaloy. Il va m'en falloir 12. Donc, c'est parti. Tu vas m'en faire 12. Ok, on a tout ce qu'il faut pour faire les 12. C'est parfait. Il va me falloir des Concentrated Bat Ball. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, il m'en faut 4. Impeccable. Glowing Mangaloy, c'est en train de se faire. Il va me falloir des Nether Star Blocks. Bon, ça... C'est pas trop un souci, j'en ai tellement des Nether Star que c'est bon. Hein. Glowing Mangaloy, c'est bientôt terminé. Il va me falloir un Unstable Ingot Block. Donc ça, ça devrait être bon. Hop, Mangaloy, c'est bon. Unstable Ingot Block. Voilà, impeccable. Il me faut maintenant des blocs of Bedrockium. Et pour ça, il va falloir qu'on cuise des octuples compresses. 4. Et les octuples compresses, j'en ai plutôt pas mal ici. Hein. 56. 1, 2, 3, 4... On va les cuire. Bonne nuit, Zero.
Ok, 4 blocs de bedrockium, je vais peser 3 tonnes, ce qui est normal. Donc, il va falloir qu'on place les bedrockium ici. Mangaloy, là. Ça, je crois que c'est comme ça. Yes. Ça, ici. Ça, là. Boum, boum, boum. Ici, on va avoir les Waver, enfin les Awakened Core. Tu peux me montrer comment tu fais les Nether Star Chamber RF Tool? Non, je te le montre juste après. On va juste regarder comment on fait les Extreme Infusion. Je crois que j'en ai un Extreme Infusion d'ailleurs. Voilà, je m'en étais pas servi. Donc on va le mettre là. Et maintenant pour faire le reste, il va nous falloir les autres stones. Strong, j'en ai pas. Donc il va falloir qu'on se fasse 3 stones comme ça. Donc il va nous falloir du Reduction Core et du Potency Core. Core. Ah, je l'ai pas autocrafté ce truc là. Bon, en attendant, je vais te montrer comment je fais le Wither Boss. C'est là où que ça se passe. Donc en fin de compte, ici j'ai un système redstone qui va comparer les items qui passeront dans le hopper. Donc à chaque fois que je vais tuer un Wither, ça va le comparer et ça va éteindre cette torche pour activer tout ça. Ce qui fait qu'on va poser de la Soul Sand et juste au-dessus, on va poser les têtes de Wither squelette. Le Wither va spawner, il va tomber sur cette plaque qui va le téléporter à l'intérieur de cette chambre. Et nous avons un Mob Grinder de Draconic Evolution pour le one-shot. Et une fois qu'il se one-shot, l'Ender Collector va récupérer les items, les passer dans le hopper, les passer dans le coffre. Et le coffre va le ramener dans un Tesseract qui me ramène tout ça à la base. Et pour récupérer les items, j'ai un Ender Chest ici. Avec un peu de tout, qui ramène les têtes et qui ramène la Soul Sand pour faire en sorte que ce soit tout le temps plein. Voilà comment je bute mon Wither Boss. Ouais, c'est un peu le bordel à craft les Infusion Stones. Hein. Mais une fois que ce sera fait, il faut se dire une chose, c'est qu'une fois que ce sera fait, on n'a plus besoin de s'en soucier quoi. T'as fait quoi depuis le début? J'ai fait énormément de quêtes de Draconic Evolution. Genre j'ai fait ça, 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 ça. Ça, on était parti peut-être pour faire ça, mais avant, récupère ta bouffe, avant j'aimerais me crafter les stones. Donc je pense que je vais directement automatiser le bousin, parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc ça on s'en fout, ça on s'en fout, c'est ça que je veux automatiser. Tac. Blood Magic, est-ce que j'ai automatisé au moins cela? Ouais. Je vais en crafter 4. Ok, large bloodstone et empty core. Ok. Core, empty core. Je connaissais le mode de spawn, mais la redstone à côté, j'avoue, très ingénieux. Merci, Maxio. Blood, ça va, j'en ai encore 2400 et j'ai encore pas mal d'imbued slate, donc je pourrais les... je pourrais en faire plus en fait. D'ailleurs, je... non, j'ai pas mis l'autocraft pour ça, c'est pas grave. Blood. Clac. Et ça. Toc, 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 toc. Plus un petit corps. Voilà, ça on a automatisé ce truc là, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on automatise celui-ci, le Potency Core. Qui va demander du Potentia et du Enderium Bass. Enderium Bass. Tac, tac. Et du Potentia. Et une fois que ce sera fait, boum boum boum, c'est bon. On va attendre un petit peu qu'il y en ait au moins un qui se fasse. Salut Tavana. Salut Dragon of the Sky. Alors, justement, Dragon of the Sky, bah, on en a tué deux dragons dans le ciel. Donc bon. Donc là, on a automatisé ces trucs-là. C'est bon. Le reste, je crois qu'il n'y a rien à automatiser. L'Icorium, il va falloir que j'en récupère. Catacaptic à 12, il va falloir que j'en ai 12. Donc ça, ça devrait pouvoir le faire. Et ensuite, ça, bah, ça c'est pété, quoi. Donc, Imbued. Donc, Core. Maintenant qu'on les a automatisés. Je sais plus combien il en faut. 2, 4, 6. Il en faut 6 de chaque. Ok. Ok.
assist. Oh, qu'est-ce que tu n'as pas? Ah oui, il t'en manque un, ok. Même si j'en ai plein dans Applied, c'est pas grave. Très bien. Bon, alors, Imbued. 1, 2, 3. Avec du Minitio, je pense qu'avec 108 millions, je devrais avoir ce qu'il me faut. Hein. On va mettre ça là. J'ai beaucoup de RF dans ma boule draconique évolution. Je sais que ça répond pas à ta question, mais je vois pas l'intérêt de savoir exactement combien j'ai de RF dans ma boule draco. Donc tout ce que tu peux savoir, c'est que j'en ai beaucoup. Alors, Atio. Putain, ça va être cool quand on va avoir cette stone, quoi. On va tellement être bien. Ok. Donc, les cours. J'en ai 4 pour l'instant. Il va m'en manquer 2 autres. Ça va être chiant d'attendre. En attendant, on peut essayer de récupérer pour ce qui est des autres. C'est-à-dire du Crucio. Crucio. Ok. Et du Gaïa. Normalement, je devrais avoir ce qu'il faut parce que j'en ai pas mal farmé. Voir que j'en ai buté pas mal des Gaïa. Et juste derrière, il va nous falloir donc du Imperio. Imperio. Avec de Licor Ingot. Oh putain, j'en ai plein, eh. Je sais pas comment j'ai fait. J'en avais peut-être laissé par rapport à la dernière fois. Mais en tout cas, c'est cool. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça. Lis mon message au-dessus. Alors, Darkhawk, qu'est-ce qu'il dit? Il faudra inventer un métier ingénieur Minecraft pour ML2G, le génie du mode. Non, je suis pas un génie du mode. Je me débrouille. Mais comme je l'ai dit en début de live, j'ai regardé une vidéo de tout Asgard. Que je vous invite à regarder pour ceux qui comprennent l'anglais. Il est bien meilleur que moi, très clairement. Surtout au niveau de déco, il a une base qui est juste magnifique. Mais tout Asgard, j'ai pu regarder une de ses vidéos et j'ai pu voir des choses que je ne connaissais pas avec Applied. Et pourtant, je pensais tout connaître d'Applied. Enfin, peut-être pas tout, mais je pensais bien connaître Applied. Et il a pris un item particulier que je ne connaissais pas pour automatiser le craft des chaudrons. Enfin, pour pouvoir auto-crafter dans le chaudron de Witchery. Et j'étais scotché. J'étais bouche bée de ce qu'il a fait. Donc, je ne suis pas un génie du mode. Je me débrouille, mais il y a des personnes bien meilleures que moi. Mais c'est gentil, merci en tout cas. Bon, maintenant qu'on a ça, boum, boum. Là, on va pouvoir faire cela. Ok, donc normalement, on n'a plus qu'à attendre les 6 potency cores et on a tout ce qu'il nous faut pour faire ça. D'ailleurs, l'Awakened. Ah! Toc, 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 toc. Il va en manquer plus qu'un. Est-ce qu'il est en train de le faire? Non. J'ai fait une erreur de calcul. Possible. Possible pas. Qu'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est en train de se crafter, ok. Mais... Oh putain, il m'a transformé en loup! Qu'est-ce que ça m'énerve, ça? Bon, de toute façon, c'est fini, là. Non, je connais pas Nonsanity. C'est anglais ou c'est français Nonsanity? Non, le Spark sur l'Onic Altar malheureusement ne marche pas. Ah, alors, TDOX, c'est ça comme raccourci. Wireless Crafting Terminal, j'utilise la lettre B. Donc c'est Open Wireless Crafting Terminal. Et quand j'appuie sur B, normalement, il me l'ouvre. Tout simplement. Par contre, il me manque mon pantalon. Ouais, mon magnet, et je l'avais pas sur moi. Donc j'ai laissé tomber mon pantalon derrière. Donc je récupère ça rapidement. Ah, à mon avis, il y a peut-être... Ça a peut-être été aspiré. Non, j'ai mon casque ici et j'ai mon pantalon. Ok. C'est comme ça que j'ai perdu mon stuff la dernière fois. Hein. Putain de transformation en loup, là. J'ai pensé à faire un modpack avec Wotan. Bah, on fait Ragnamod 4 actuellement.
Si c'est anglais, je préfère parce que j'ai rien contre les contenus français, mais j'ai beaucoup plus de facilité avec le l'anglais. Ok, donc là, il est obligé de crafter les Simple Catalysts. Et une fois qu'il aura fait ça, il va crafter les Potentia. Ok. Mais il en a pour un moment avant de crafter ça, le bougre. Pendant qu'il crafte ça, il va falloir qu'on regarde autre chose. On va regarder la... Bah, on va crafter ça, tiens. Ok, on va crafter ça parce que c'est pas trop compliqué. Si tu gardes le charme sur toi, tu bloques la transformation à la pleine lune. Sur moi, c'est-à-dire dans mon inventaire, dans le bubble ou... tiens, là, je vais regarder d'ailleurs si je peux le mettre dans le bubble. J'ai jamais essayé. Non, je peux pas le mettre dans bubble. Donc, si je le garde sur moi ou dans ma barre d'inventaire. Parce que si c'est que le garder sur moi, je peux le faire. Ragnamod 4 ne sera pas en 1.13 dev, tout simplement parce que tu peux pas... comment? Si les mods ne sont pas datés en 1.13, je peux pas reporter les mods en 1.13. Si on a des mods qui sont reportés en 1.13, on essaiera de travailler avec Alka pour faire un modpack en 1.13, mais le prochain modpack qu'on va travailler avec Alka ne sera pas en 1.13. Quoique, on ne sait jamais, mais je ne pense pas. Vu comment Under.io galère à se mettre à jour... A mon avis, un Under.io en 1.13, on peut se le foutre dans le fion avant que la 1.16 soit sortie. Hein. Ah, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Après, ils travaillent comme des malades, donc... Il y a du respect. Il y a du respect. Bon, bah, c'est relou, ça, d'être obligé d'attendre. Hein, donc, je disais, on va se faire ça. Et je crois que j'avais laissé un item, justement, à crafter en dessous. Ah, bah, il est là. Parfait. Tu vas te mettre là, toi. Donc, il va falloir... Tac, il va me falloir ça. Et pour ça, il faut que je crafte ça. Ok. Donc, Terra Steel. Enlève ça, enlève ça. Enlève ça et mets ça. De ce que j'ai pu voir, Under.io est sorti en 1.12. Il est sorti quand? Essaye de m'envoyer ça en MP Dark and Foxy parce que je vais oublier. Ok, non, c'était tac tac. Tac. Tac, boum. Donc ça, on l'a. Il nous faut deux Gaïa et un corps. Ok. Un corps. Nice. Ça, je peux le poser d'ailleurs dans le craft. Et Gaïa, il m'en faut deux. Donc ça, je vais le reposer dans le craft. On m'a donné l'info aujourd'hui. Bah, j'espère que tu l'as pas cru. Parce que pour l'instant, Under.io, il est en développement en 1.10. Tac, tac. Et vu comment il y a des mecs qui sont au taquet dans... sur mon Discord, ils m'auraient dit direct hein, s'il y avait Under.io de sortie. Merci Darken. Alors du coup, j'avais posé une question. C'était quoi déjà? N'importe où dans l'inventaire, pas forcément dans la barre. Ok, merci Arg. Du coup, je vais le garder sur moi. Comme ça, ça règle le problème. J'espère. Merci ZAKTV. Non, c'est bien ce qui me semblait. Ah ok, ils font une update en 1.12. Ok. En 98-95%, faut savoir. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est les derniers pourcentages qui vont être difficiles parce que c'est tous les tests. Pour savoir si tout se passe bien, etc. Donc c'est vrai que ça va être compliqué. Hein. Alors, fais voir si t'as avancé. Non, toujours pas.
Alors s'il y a très peu de mods en 1.12 par rapport en 1.7, c'est tout simplement parce que la 1.7 est restée pendant des années le format préféré des modeurs. Parce que la 1.8 est sortie plus d'un an après la 1.7. Et la 1.8 était buggée à souhait et personne n'a voulu développer de mod dessus. La 1.9 c'est pareil. Et après il y a eu la 1.10 où là ça a commencé à travailler un petit peu au niveau des mods. Mais la 1.7 est restée très longtemps le favori. Hein. Est-ce que tu suis Dragon Ball Super? Alors le dernier épisode de Dragon Ball Super que j'ai regardé, Krillin venait de se faire éliminer. Donc ça fait longtemps que j'ai pas regardé. The Dev, si le développeur d'Underio galère, c'est peut-être parce qu'il a des complications avec son mode, peut-être qu'il a pas codé correctement par rapport aux autres modeurs, peut-être qu'il a moins de temps aussi. Je sais pas du tout. Vu que j'ai jamais fait du modé, je sais pas. Enfin, j'ai jamais fait du modé. J'ai jamais créé de mod, je pense ne jamais en faire de ma vie. Parce que j'ai pas les connaissances pour, malgré que j'aimerais bien, mais j'ai pas les connaissances pour. Ça doit être compliqué. Ah oui, 25% des conduits. Donc là, il y a 98% de la base et 95% des machines. Si les conduits ne suivent pas, aucune machine ne sert à quelque chose. Je sais même pas de quoi tu parles quand tu dis Migate no Gokui. Bref, si on pouvait éviter le spoil, parce que si j'en ai pas regardé pendant longtemps, c'est parce que j'avais d'autres choses à regarder. Et que j'aimerais quand même le regarder au bout d'un moment. Eldorio n'est pas pour moi le meilleur mode, mais il est clairement dans le top 3 des meilleurs modes. Rien que les conduits de Eldorio, c'est les meilleurs conduits qui existent. Parce que tu peux les combiner ensemble. T'as beaucoup de machines qui sont stylées aussi sur Eldorio. Mais Underio est vraiment génial comme mode. Mais pour moi, le meilleur mode jamais créé, c'est Applied. Hein. Allez, c'est bientôt fini, là. Qu'est-ce que ça dit, les corps? Ah, c'est en train de les crafter, ok. Ça va, ça avance. Je pense que dès que ce sera fini, peut-être qu'on va pouvoir avancer. Non, je la ferai pas, monsieur Maxime. M'intéresse pas cette pioche. Ok, ça c'est fait. Claim. Au moins c'est fait. Et donc cet item là va me permettre d'améliorer mon armure draconique évolution quand j'en aurai une. Qui pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc je pense que je vais mettre ça. Là. Je mets mon armure draconique évolution et j'ai différentes upgrades que je peux mettre, donc je verrai ça à ce moment-là. Alors fais voir les corps. Ok, j'en ai deux, je peux au moins crafter une petite boule. Est-ce que je vais les mettre dans le bon sens? Yes. Ok, j'en ai une. Il va me falloir les deux autres corps bleus et après on pourra faire la Master Infusion Stone. Ah, j'en ai deux autres qui viennent d'arriver, très bien. Pourquoi je fais des allers-retours? J'ai ma manette avec moi. Hein. Perfect. Plus qu'à attendre les deux derniers. Oui, il y a une pioche en Unstable Ingot. Elle est bien, mais je me sers de la mienne qui me suffit. One Piece, je regarde aussi. Par contre, One Piece, je suis à jour. En termes d'animé. Pas en termes de manga et de scan, et j'aimerais qu'on évite de me spoiler. Parce que là, c'est même pas un ban. Là, c'est je viens chez vous et je viens vous casser la gueule. Parce que vraiment, One Piece, je le regarde depuis des années et je refuserais qu'on me spoil.
Bien que j'aurais pas vraiment le choix, c'est pas à moi de refuser, mais j'aimerais qu'on évite, s'il vous plaît. Oups. 3, ça devrait être bon. Évidemment, je me suis trompé de sens. Voilà. Ton perso favori de One Piece, c'est Zoro. J'aime beaucoup Zoro. Alors, maintenant. Ça. Ok, j'ai pile poil suffisamment d'Icorium. Hein. Ça, c'est cool. Clac. Et clac. Parfait. Eh ben, on est bon. On va pouvoir crafter cette méga boule. Si impressionnante. Master Infusion Stone. C'est super bâtard par contre qui te laisse ça derrière. Hein. Enfin. Du coup, ça nous fait notre quête farming. Celle-ci qui va me permettre de récupérer des impériaux comme c'est mignon. Et donc avec cette boule-là, je vais pouvoir transformer tout mon Minicio en Zivicio. Non, je regarde pas Assassination Classroom. Alors ça, pour l'instant, je vais le garder, je vais le mettre de côté. On s'en servira plus tard parce que... Bon, il nous reste une heure devant nous, mais si j'ai vraiment besoin de travailler sur quelque chose, ce serait plus sur Draconic Evolution ce soir. Hein. Parce que ça, on verra plus tard, comme on a dit. Ok. Donc, je pense qu'on va faire ça, maintenant. Le Wyvern Flux. Il va quand même falloir 4 Wyvern Energy Core. Ok. Donc 4. Est-ce que je vais pouvoir avoir assez de stuff? Ouais, apparemment, j'ai assez de stuff. Donc c'est très bien. Ça va prendre un peu de temps par contre. Hein. Donc pendant que ça craft, il va nous falloir... Pouf, pouf. 4 chargés de draconium plus un résonant flux. Est-ce que... Ouais, ça je l'ai auto-crafté. Donc go m'en faire un. Ouais, c'est assez rapide ça normalement avec toute la redstone que j'ai posée à droite à gauche. Voilà, c'est bon normalement. Résonant flux, il y en a un qui est chargé d'ailleurs. Oh, tant pis, je vais prendre celui-là. Je clique sur N pour pas le charger, très bien. Et il me faut Draconic. Il m'en faut 3 autres. One Punch Man, je regarde aussi, mais ça fait un moment que j'ai pas... Enfin, j'attends la saison 2 du coup. Il faudrait que j'autocrafte. Je pourrais autocrafter, mais il faudrait que... Comment pour autocrafter, en fin de compte, il me faudrait ça. Est-ce que j'en ai un, d'ailleurs? Crafter. Ouais, j'en ai un. Tier 3, parfait. Donc, ce qu'on peut faire... Installer ça derrière. Juste là. Ah, il lui faut de l'énergie. Shit. Ah, tant pis, je vais lui coller de l'énergie dans la face, là. On va mettre ça, là. Cable. Boom. Export bus. Pas de crafting card, j'en ai pas besoin. Capacity card, j'en ai pas besoin non plus. Speed card, ok. Import bus. Ok, ça c'est pour le craft de tout à l'heure. Minicio. Hop. Ok. Asio. Prends tout ça. Corusio. Imperio. Et enfin, Zivicio. Et après on verra. Je vais prendre ça. Prendre le Tesseract. Boom. Énergie corps. Go. Donc lui, normalement, il a de l'énergie. Si je le mets en fast, il devrait être bon. On va juste maintenant
Mettre un petit câble. Ah, il faut des câbles encore par contre. Câble encore. Câble encore. Boum. Export bus. Donc on va exporter les items. Ouais, on va exporter les items. Paf. Speed pour envoyer là-dedans le minicio. Donc le minicio, on va le remplir tout ici. Ensuite, on va mettre deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça. Il va nous falloir les blocs aussi. Zivicio. Quoique, je vais peut-être les laisser directement en Zivicio essence. Parce que j'ai un deep storage de Zivicio essence. Donc je pense que je vais le laisser en Zivicio. Enfin, je vais les laisser en Zivicio essence. Donc ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais peut-être mettre deux de plus là, deux de plus là, et deux de plus là, et du coup lui ici. Remember. Donc on peut tout prendre. Maintenant il faut créer les récipes. Alors, interne. Tac, 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 tac. Tac, apply. Interne encore. Tchouk, 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 tchouk. Apply. Toujours interne. Ok. Apply. Et là, par contre, on va laisser externe. Pour faire du Zivicio. Ça me paraît pas mal. Si je mets ça dedans, normalement, avec Fast, il devrait aller vite. Oh. Ça, cette partie-là va être chiante à gérer. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Juste un. Speed. Tac. Je pense que ça va faire in-out. Filtre. Mauvaise idée, c'est la galère pour sauvegarder les crafts dans ça. Non, c'est pas la galère. Extract, et on va lui donner bah, la master. Hein. Master. Et bah du coup, il va faire in-out. Donc techniquement, il est censé me la remettre à chaque fois. Ah, peut-être pas. Ça, voilà. Ok. Donc là, c'est bon. En fin de compte, juste avec un conduit, si on sélectionne cette petite option-là, self-feed. Enable, il va retirer l'item et le remettre automatiquement. Donc en gros, c'est bon. Si je lui dis ici du minicio, voilà. Pourquoi il ne crafte rien? Interne, interne, interne. Je comprends pas pourquoi il crafte plus là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis en train de rouler sur mes câbles, ça m'énerve encore plus. À toi car je mange des beignets et j'ai fait avec ma mère cet après-midi et ils sont bien bons. Vache, j'espère que tu te fais plaisir. Bon, en attendant, je ne comprends pas pourquoi ça veut pas garder ça en fait. Pourquoi ça veut pas me le crafter? Parce qu'il l'a. Je lui demande 4. Keep, peut-être, non? Apply. Pourquoi tu veux pas marcher, enfoiré? Il a de la place pour les poser en plus, hein. Pourquoi tu veux pas marcher? Pourquoi tu veux tout simplement pas marcher? Et parce qu'il est-ce qu'il te faut une autre place? Attends, on va t'enlever ça pour l'instant. On va enlever ça. Forget. On va te laisser une... Bah non.
C'est pas logique. Ça avec quoi ça me saoule. Voilà. Ça va plus vite comme ça. J'ai pas envie de perdre tout mon temps là-dessus. C'est de la merde, c'est de la merde. Je voulais pas cliquer là-dessus. Je regarderai plus tard, hein, mais... ça veut pas marcher correctement, ça devrait marcher correctement, et ça veut pas, donc c'est de la merde. On va pas chercher midi 14h. Il va me rester plus que celui-ci. Donc il est en train de crafter celui-là, et une fois qu'il a crafté, il va me le faire, et puis après ce sera bon. On pourra se crafter ça. En attendant, on peut également regarder pour se crafter ça. Oh, ça c'est facile. Ok. D'accord, il va en falloir deux. Ok. Draconic. 10. Très bien. Alors attends. On est d'accord, 5-5. Très bien. Le magnet, il est où? Il est là. Donc, il me faut le Greater Ring, ça je l'ai, et 4 blocs. Quelqu'un a dit qu'il faut deux Master Balls. Et bah, c'est faux. C'est faux, il faut pas deux Master. J'ai déjà configuré ce genre de machine et ça veut tout simplement pas marcher. Pour X raisons. Ah non, faut d'abord se faire ça. Et on attend. Un level émetteur pour avec un nom abusé au pire. Ouais, le problème c'est que ça va pomper à mort Applied. Donc, nope. Le truc bleu pour mémoriser les crafts. De Botania, tu parles. Je sais qu'on a toujours cet item. Il est où? Il est où? Ça. Tu sais qu'on a toujours ça. Manufactory Halo. Ouh, d'ailleurs. Très beau craft. Donc, si on fait celui-là, si on pourrait faire en sorte de prendre les items sur soi et de les autocrafter. Sauf que. C'est pas intéressant de les garder sur soi, il faut faire en sorte que ce soit une machine qui le fasse pour nous, mais on peut le faire. Plus Gabriel. Ouais, parce que j'ai re-regardé un petit peu plus près et finalement, ça servait à rien de les mettre bien comme il faut. Mais avant, je le faisais correctement parce que j'avais peur que ça fasse le bordel. Vu que j'ai testé et que je vois que ça marche. Oui, je faisais ça sur PO2, mais là je vais avoir besoin d'une quantité astronomique. À côté, les items demandés sur PO2, c'est pipi de chat. Hein. C'est vraiment pipi de chat. Là, il va falloir que j'utilise plusieurs milliards de minicio. Plusieurs milliards. Et c'est même pas pour déconner quand je dis milliards. C'est vraiment des milliards de minicios qu'il va falloir que je récupère. Wyvern. Pourquoi je vais jusque là pour chercher mon Wyvern? Je ne sais pas. On va le faire en dessous, ça. Ah, t'excuses pas, oui, hein, j'explique au moins comme ça, les gens le savent aussi. C'est que là, je ne peux pas. Enfin, je pourrais, mais ce serait useless. Merci, monsieur. Le Zivi Quinto sert à rien, il faut juste continuer de le crafter encore, encore, encore et encore, jusqu'à avoir le top tier de tous les Zivicios. Tu vois, si tu vas là, farming, faut aller jusque là. Faut faire du Zivi Déco. Le Zivi Déco, c'est du Zivi Anto.
du Zivi Octo, du Zivi Septo, du Zivi Sexto, du Zivi Canto, du Zivi Quadro, du Zivi Trio, du Zivi Duo, du Zivi Uno, Mazivicio, Zivicio Block, Zivicio Essence, Imperio, Crucio, Axio, Minicio. Tu fais le calcul de tout ça juste pour en avoir un. C'est plusieurs millions. Et ça, j'en ai besoin de beaucoup, juste pour un catalyste. Un. Et le catalyste, j'en ai besoin de 1 ici. 2 de là. Donc 3. 4, 5. On s'en fout. 6. Oh, le neutron collector. Voilà. Tu viens de me déprimer, jeune homme. J'aurais pas dû regarder tous ces crafts. Je suis maintenant déprimé. Le problème, c'est que oui, je viens d'avoir un aperçu. C'est stupide. Clairement, je pense que... Va falloir qu'on installe notre champ de munitions et qu'on fasse tourner ça à fond. C'est pas possible autrement, en fait. Fini celui-là. Oui, là c'est même pas un champ, c'est même pas deux champs, c'est une centaine de champs. Hein. Merci pour les 200 bits, Forget. Ne déprime pas, la vie reste belle pareil. Ah bah oui. Mais ça va être faisable. J'aurais juste la fierté, de dire j'ai fait Divine Journey en mode hardcore. Ah non, Lollapalooza, j'ai pas encore fini, hein, c'est moi qui te le dis. Hein. Quand je dis champ de Minicio, c'est en gros beaucoup. Il faut que je regarde néanmoins si c'est pas faisable de se faire un monde RF Tool avec que des blocs de Zivicio par exemple. Imaginez un peu, si on peut se faire un monde RF Tool avec que des blocs de Zivicio, faudrait que je teste en créa ça. Si c'est faisable, on n'a même pas besoin de mettre des champs en fait. Les crafteurs de Extra U. Ah, ils en ont. Crafteur. J'ai jamais vu les crafteurs de Extra U. Ça existe encore ce truc là? Ça existe sur ma version du modpack? Ça c'est fait en tout cas. Ouh, Crystal Binder. Crystal Binder, je vais le ranger dans ce petit sac à dos. Voilà, et puis toi tu peux te charger si tu veux. Hein. Non, c'est en train de pomper toute mon armure, donc je ne pense pas faire ça comme ça. Désolé pour la vision un petit peu palote, hein. C'est Tomcraft qui fait ça. Hein. Alors, go me charger ça là-dedans. Ok. Oh, il l'a récupéré quoi. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas mis de filtre ici. Hein. Il me l'a extrait quand c'était plein. Comment ça s'appelle? Capacité flux. Ok, ouais, il est plein le truc. Ok, très bien. Merci Fabien Lefebvre pour les 5 bits, bonsoir à toi.
Et là-haut, c'est en train de récupérer les items, donc c'est parfait. Nice. Ce magnet est 1000 fois mieux que le magnet que j'ai actuellement. Celui-là. Lui, il va dégager une bonne fois pour toutes. Ciao, mon gars. Et j'active celui-là. Alors, je crois pas que celui-là, je peux le mettre dans le bubble. Non, il faut que je garde dans mon inventaire. C'est le seul inconvénient. Et juste, je vais l'activer. Charge hotbar. Charge hotbar. Et helm et held item. Non, armor et held item. Armor hotbar. Ça me paraît pas mal. Évidemment, c'est en train de charger mon armure. Donc, je vais le re-remplir, ce truc-là. Parce qu'apparemment, voilà, il perd de l'énergie, mais... C'est-à-dire que j'ai un petit peu d'énergie sur moi, ça peut être cool. Donc évidemment, il va le repomper quand ce sera plein. C'est bon, j'ai eu le temps de le récupérer, cool. Ok, on se met là. Non, il n'y a pas la graine de Zivicio malheureusement. Touk, 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 donc ça c'est fait aussi. Pourquoi me donner autant d'items quoi? C'est débile. Très bien, alors, est-ce qu'on essaie de commencer la Wyvern? Je crois qu'on va pas pouvoir, hein, parce que ça va me demander ça. Quoique si, ça peut... Ouais, ça va me demander du temps, hein, Blood Storage. Je vais faire le calcul de combien de... Oh, heureusement que ma canette était vide, je viens de la renverser. Blood Storage, on va regarder combien il nous en faut. Donc on en a 4, là. Chestplate, il nous en faut 4 en plus. Pantalon 4 en plus. Et boots 4 en plus. Ok, donc il va nous en falloir 16. Tu en es où dans le mode pack? J'ai bien avancé, mais on est loin d'avoir terminé. Donc Blood. Ça, il va m'en falloir, comme on a dit, 4, 4, 8, 16. Sauf que là, vous voyez, ça va me demander pas mal de choses. Il va devoir en crafter 144 des filets de socket. Donc 144 empty socket. Et en théorie, si j'ai bien fait les choses, il est censé me les mettre un par un là-dedans. Ah, il en remet encore plein. J'ai dit si j'ai bien fait les choses. Apparemment, je les ai mal faites. Normalement, blocking mode. Ah, ben oui. Vu que l'item est pompé et remis là-haut, ça sert à rien. J'ai cru voir une sorcière mourir. Bref, est-ce que ça pompe trop de sang? Je vois pas. Non, on avait vu que ça tenait le coup, donc on peut le laisser, on va les laisser tranquilles. Avant que je parte dans un meuble nommé lit, si quelqu'un te donne 50 kbits, tu fais un striptease? Non, je ferai pas de striptease, non. Je lui dirais merci, je lui dirais que je suis très reconnaissant, mais je me prostituerai pas pour de l'argent. Ensuite, il va nous falloir quoi comme item qu'il faut pas mal crafter? Bon, le draconium block, c'est pas un problème. Licor Kloss. Ok, Licor Kloss, on va regarder combien il nous en faut. Donc là, il nous en demande 5. Ok. Celui-là, il nous en demande pas mal. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, lui, il nous en demande 3. Et lui, il nous en demande 4. Donc ça fait qu'on a ici 14, 18, 21. 21 Icor Kloss. Est-ce qu'on peut faire ça? Euh, 17, 18, 19, 20, 21. Apparemment c'est faisable. Je crois qu'il va galérer sur cette merde là, ouais. Quoique non, il galère parce que ça coûte cher en... Ouais, ça coûte cher ici en fait. C'est ça, ouais. Bon, on peut le laisser tourner, c'est pas un problème ça. Ça irait plus vite peut-être là-dessus, mais vu que ça tourne, c'est très bien. Salutations, le killer! Donc je disais, go le Chaos Shard. Non, le Chaos Shard, c'est pas tout de suite. Hein. Parce que j'ai pas l'armure adéquate pour ça.
Alors, il nous faut quoi d'autre? On va récupérer... Donc, Helmet. Ça, on farm, ça, on a. Donc, on va récupérer le nombre de Draconium blocs nécessaires. Donc, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 22, 23. Ok. Draconium blocs. Tu nous fais un bisou sur ton clavier. Vu comment il est dégueulasse, mon clavier, je lui ferai même pas de bisou. Ah, c'est mort. Tac, ok. Nice. Et comme ça. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Et toc, je crois. Non, au milieu. Wyvern, corps. C'est parti pour m'en faire un autre. Il va me falloir le Terra Steel Helmet. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué, ça. Donc, tac. Tac. Ok, il va juste me manquer le... Living Wood. Voilà. De toute façon, il va nous falloir toute l'armure de Terra Steel. Hein. C'est quoi l'armure que tu avais utilisée pour battre le Chaos Dragon sur PO Light? C'était la Draconic Armor, je crois. C'est-à-dire celle-là. Qui demande beaucoup plus de choses. Elle est moins chiante à crafter, celle-là, quand même. Hein, par rapport à ce qu'on doit faire ici. Ok, donc ça, j'ai l'Azivicio Helmet. Bon. Faut qu'on se la fasse de toute façon. Ah oui, je crois que pour la faire, en plus, ça va être chiant. Ah, attends. Voilà, on se trouve mieux là-dessus. Il faut faire tous les tirs différents. Donc, diamant. Ça. Oh. Ah, c'est les ingots qu'il me faut. Oups. Ok, Dark Steel. Ok. Je vais en faire un certain nombre. Je pense pas en avoir assez, mais... Parce que là, je vais en faire que 8 des ingots. J'en aurai besoin pour plus tard. Ok. Je pense que je vais quand même essayer d'en récupérer le nombre nécessaire. Parce que il va nous falloir... attends. Je vais faire toute l'armure de ce truc-là parce que c'est super relou. Donc, c'est le même nombre qu'une armure classique, c'est-à-dire 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est 24 hein, qu'il nous faut. Donc, Asio. Pipipi, pipipi, pipipi. Alors, 8 et 8, 16. Ok. 24, on a dit. Bah, c'est bon. Normalement, ça devrait faire le taf. Parce qu'après, le tir au-dessus, malheureusement, ça va me demander d'autres choses. Donc, des renforcés de Slate. Slate. Il nous en faut 24, comme on a dit. Voilà. Et il nous faut du Crucio. C'est la Draconic Armor la plus puissante, clairement. Ah, je sais plus. C'est destruction. Je ne sais plus du tout ce que j'avais dit. Ok, ça c'est fait. Très bien. Alors ensuite, il va nous falloir... ça. Donc Mana Steel, très bien. Mana Steel, toc toc toc, boum boum, voilà. Et de l'Imperio. Ok. Ah, le mieux c'est Avaricia, oui, mais le temps qu'on y arrive à Avaricia, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu.
Ok. Et le dernier, c'est évidemment Tuk 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 Zivesio. Donc, Tommy Amingot avec le Zivisio nécessaire. Voilà, normalement on devrait avoir tous les ingots nécessaires pour crafter ce qu'on veut. S'il te plaît, mets-le correctement. Voilà. En attendant, est-ce que le Wyvern il est fait? Oui, il est fait, donc je vais pouvoir le placer sur le craft. Tac. Blood peut-être? Non, pas du tout. Toujours en train de le crafter. Je le one-shot pas si j'ai que l'armure. Il me faut l'épée pour le one-shot. Et techniquement, je peux même y aller à poil juste avec l'épée. Je suis censé pouvoir le buter. Mais vu que j'ai pas l'épée et que l'épée, on n'est pas prêt de se la faire. Bah, c'est pas tout de suite, hein. Zut. J'ai fait ça comme un con. Voilà. J'ai encore fait ça comme un con, hein. Bah ouais, hein. Ok, on a les 24. Parfait. On va pouvoir faire l'armure qui nous intéresse. Donc ça. 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 Et ça. Ah bah putain. Ça on peut ranger. De toute façon, je vais pas en avoir besoin. Du coup, cette armure-là, elle va aller là. Celle-là, elle va aller là. Ok. La Death Hood. Alors, Death... On avait farmé ça, j'en ai récupéré un, c'est parfait. Clouc. Il nous faut la Call of the Abyssal Death. Ça, malheureusement, on va être obligé de le piquer là-bas, parce que j'ai clairement pas envie de recrafter cette armure. Elle est trop casse-couille à faire. C'est hors de question de la refaire. Elle est là. Je vais la prendre, tant pis pour ça. Hein. D'ailleurs, il m'a fait mes Icorclos. Très bien. Icorclos, ok. Donc on va mettre ça ici. Icorclos, ça va être tac, 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 tac. Ok. Au centre, c'est un Dragon Egg. Et je crois que Dragon Egg, il m'en faut pour chaque pièce d'armure. Donc j'en ai 4, c'est très bien. En attendant, je vais mettre ça dans le coffre ici. Voilà, je mets ça là-dedans. Je mets ça là-dedans. Non, en dessous. Dragon Egg, et du coup tout ce qui nous manque c'est... Alors le Wyvern, j'avais pas vu qu'il y avait celui-là là-haut. C'est pas grave, on va lui redemander d'en crafter un, allez go. Et du coup il me faut les Blood Storage, et les Blood Storage par contre ça prend un peu de temps. Hein. C'est la seule chose sur laquelle on attend là actuellement. Alors Fer Tami, si tu veux avoir un résumé, j'ai torché Blood Magic. J'ai torché... Mystical Agriculture. Et je suis en train de torcher Draconic Evolution. Grosso merdo. C'est quand même très Illuminati ce craft. Ah bah ça j'y peux rien. Crafting. Oh la vache, ça va être long. Ça va être long, 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 long. Bon, en attendant, on va mettre ça de côté. Donc, on était parti pour faire ça. Ça, ça va être trop galère à y aller. Oh, quoi que tu me diras. Oh, oh non. Awak Ned. Dégage-toi. Ah non, il me reste qu'un bloc. Je pourrais juste refaire spawner un dragon. Ouais, non, chiant. Fais voir combien ça coûte. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu que ça coûtait super cher. RF... Tool. Juste pour ce... Non.
Wow, c'était quoi ça? J'avais l'impression d'avoir pris un stack, mais non. Ouais, ça c'était quoi déjà? Il y avait... Ok, de la Wakened. Non, c'était ça là. Ok, il faut absolument qu'on puisse farmer à fond les essences de Minicio pour pouvoir accéder à ça. Parce qu'en soi, quand j'ai vu le crash, j'ai fait « Oh, c'est délire !» Mais ça, une fois qu'on l'aura farmé à fond, ça devrait pouvoir se faire. Si tu veux, oui. Avaricia, l'épée, elle est toute simple. C'est le craft de base, en fait. Enfin, toute simple. T'as quand même l'Infinity Ingot à faire, hein. Donc, toute simple, je sais pas. T'as installé des travaux encore de Ender IO, mais tu marches et voles dans ta base sans les utiliser. Tu m'expliques, s'il te plaît? Bah, parce que je m'en sers pas. De base, je m'en servais pour aller plus vite. Au final, je vais plus vite en volant. Comment tu mets du send automatiquement dans le bout d'altar? C'est avec appel énergistique, avec tous les câbles et tout. Ça se fait assez facilement. Hein. Schedule 16. Ah oui, non, c'est vrai, c'est le nombre que je lui ai demandé. Donc ouais, il faudrait... Faut qu'on se refasse un dragon, en fait. Hein. Résurrection Stone. Ouch! Ah non, je pensais que c'était hardcore, mais... Ah si, il lui faut quand même du wave hardcore. Ouais, go. Ah oui, oui, oui. Il a claqué l'Infinity Catalyst. Et t'as vu combien ça coûte, l'Infinity Catalyst? C'est pété, hein. L'autre épée, elle est plus simple à faire, sauf qu'elle a une durabilité, elle ne me sert à rien. Qu'on soit honnête. Poum, poum, poum. Hop, 4. Quartz. Glowstone. Ok, et il va juste nous rester la Resurrection Stone à récupérer, qui va prendre un peu de temps. Ah, il craft ça, mais en fait, je l'ai pas allumé le portail. Je suis con. Ok. Si je l'allume pas, ça... Oh, je les ai récupérés. Allez, go. Ouais, merci. J'ai toujours pas assez de mana pour laisser le portail ouvert. Hein. C'est pour ça que je l'éteins à chaque fois. J'avais oublié ce petit détail. Hein. Il faudrait que je tue un petit peu plus de Gaia Boss. Pour vraiment être peinard. Ok, donc là, il va crafter ça maintenant. Ok. Non, les pans en diamant, ça suffira pas, monsieur. Bon, là, on est obligé d'attendre sur plein de choses. Hein. Donc, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va faire grandir nos graines. Ok. Parce qu'on a que ça à faire. Tac, tac, tac. Avec Kasumari, bah, ce sera quand Kasumari en aura envie. Ok. Et donc une fois qu'on aura ces graines là, donc là Endarium, Energistique, Dark Steel, et enfin Redstone Alloy, je retirerai les level émetteurs qui me permettent justement de crafter ça. Nos seeds, bah oui, c'est en train d'être planté. De toute façon, le champ de Minicio, je pense que je le positionnerai juste en dessous de ça. Juste en dessous. Malheureusement, je pense que je vais devoir me refaire des Imaginary Time Blocks. Ça devrait pas trop poser de problème. Histoire de garder, en fin de compte, en mémoire, ça, là. Mais non, récupère pas ça. Oh. Tiens, dégage. Histoire de garder les Chunk Loaders qu'il y a ici. Alors, en théorie, les Chunk Loaders, je pourrais aller...
Je pourrais aller faire mon champ ici. Et ici, il me semble. Et ici en plus. Mais je vais garder ça sur une ligne droite tout en longueur. Ça devrait être pas mal. Alors, j'avais réussi à automatiser le craft de RF Tool sur Agnamod. Est-ce que tu veux que je regarde comment j'avais fait pour que la boule revienne toujours en haut, même sur le dernier craft? Quelle boule? Ah, tu parles d'autocrafter ce truc-là? Non, mais je pense qu'il y a un problème, parce que de la façon dont je l'ai fait, c'est censé fonctionner. Donc, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ok, on a ce qu'il faut, on va pouvoir créer nos deep storage. Je peux farmer les Gaia Boss, ouais, mais c'est un peu long. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour le farmer, hein. Alors, Dark Steel, locked. Ça, lock. Ça, lock. Et enfin, ça, lock. Il va nous falloir des storage bus. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. On va commencer par celui-là. De toute façon, pour le moment, il n'y a rien qui va rentrer dedans, mais... dans le doute, on les craft, tac, tac, tac. Voilà, et ça, boum, comme ça on a les trois, et on a bien 100 de priorité, parfait. Mais il faudra des lustres pour finir ce fichu modpack. Cherche pas, tu finiras quand ta barbe sera aussi longue et blanche que celle de Gandalf. Mais non, mais non. Je pense que tout va reposer sur le champ de minitio que je vais devoir faire. Et sur la rapidité auquel il va pouvoir fonctionner. Donc bah, on verra à ce moment-là. Hein. Donc là, pendant que mes crafts sont en train de tourner, je vais attendre les graines. Là. Est-ce que j'avais tout planté là-bas? Enfin, tout ramener correctement. Ah ouais, j'ai pas ramené le nécessaire en fait. Faut que je ramène le nécessaire. Faut que je regarde ce que j'ai. Ouais, j'ai 50 Gaia Spirit Ingot ici que j'avais farmé pour justement ça. Ok, faut qu'on retourne à la base. Je récupère 4 harvesters. Je crois que j'avais demandé à Play de les crafter. Ouais, c'est ça. 4 harvesters. Fluide. Ah, et du coup, ça vient de là les Tesseract que j'avais crafté la dernière fois. Bon, tu me diras, ils sont là tous les 4. Bon. Faut pas se prendre la tête. Voilà. Qu'est-ce que disent les crafts? C'est toujours en train de crafter ça. Et c'est toujours en train de crafter ça. Écoutez, très bien. Alors, Tom, je sais pas si je le fais tout de suite parce que bah, il nous reste un peu moins de 20 minutes. Ça va prendre un peu de temps pour pouvoir bien poser le truc. Je pense que je vais attendre que mes graines grandissent. Et ensuite, je pense qu'on ira farmer quelques Gaia Boss. Pour trouver des Overgrowth Seeds pour pouvoir laisser mon portail de Botania tout le temps ouvert. Ouais, c'est une bonne idée. En attendant, on va pouvoir désactiver le magnet. Je vais voir si sur Draconic Evolution, il n'y a pas une touche pour désactiver le magnet directement. Change tool config profil. Voir si je te mets sur... Non, pas sur 7 parce que c'est déjà autre chose. Sur 8 aussi. 6 aussi. 5 aussi. 4 aussi. 3 aussi. 2 aussi. Moins. Non? Fois. Voilà, multiplie. Je change rien. Bon, c'est pas grave. Ces graines, je vais les jeter, ça sert à rien. Tac. J'ai plus d'eau dans ma bouteille.
Faudrait que je pense à ramener une bouteille chez moi. Enfin, dans ma chambre. J'avoue que j'ai pas compris ce que t'as dit, Chibi, hein. Bon. Harvester, hop, trashcan, boum, 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 boum. Ah, il nous reste pas beaucoup de champs quand même, hein. On pourra toujours étendre, mais... Harvester. Ça là. Un peu bugué le son, hein. Perfect. Après, il n'y aura plus qu'à mettre les tesseracts. Et on sera peinard. Ça, j'en ai plus besoin. Du coup, on va retourner au niveau de nos graines. Allez, du 10-10-10 là, please. Ah, toujours obligé d'attendre. ML, pour le Gaia Boss, t'as pas moyen de faire comme pour le Wither. Malheureusement, non. Seul moyen que j'ai pour one-shot le Gaia Boss, c'est d'avoir l'épée d'Avaricia. Et malheureusement, je peux pas le faire. Ah oui, les keybinding impossible. Bah, j'ai vu que sur le modpack de Dire Wolf, parce que je l'ai téléchargé l'autre jour pour pouvoir essayer de 2-3 trucs dessus. Je ferai pas de série dessus pour ceux qui se posent la question, mais je voulais tester 2-3 trucs dessus. Et j'ai vu, et ça c'est intelligent, c'est qu'il a mis toutes les touches sur None. Il n'y a aucune touche qui sont configurées, sauf les touches classiques. Du coup, c'est à toi de les configurer à ton goût. Et je trouve ça génial comme idée. Toujours pas 10-10-10, hein. En attendant les graines, ça y va, hein. Bon, je pense que là, il y en a au moins un qui en 10-10-10, là, non? Ah! Ok, l'énergétique à l'œil, c'est bon. Très bien. Donc les autres, on peut les jeter. Je vais retirer les graines d'énergétique à l'œil qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est à jeter. Ok, redstone à l'œil, c'est bon aussi. Dégage également celle-là. Et enfin celle-ci, est-ce qu'elle est en 10-10? Non. Le temps que je plante les autres, tu devrais pouvoir faire le taf, toi. Bonne nuit, le lapin du... Wow, le lapin du 56. Donc on va faire... Non, Magical Crops. Voilà. Tac. Tac. Et boum. Et boum. Ok, il va nous rester plus que les deux graines là-bas. Et ensuite, on aura terminé de faire grandir ces graines. Celle-là, ça va être bon. La Dark Steel. Parfait. Dark Steel. Et donc, du coup, l'Enderium, c'est pas encore tout à fait bon. Non, c'est pas encore tout à fait bon. Plusieurs graines de 10-10, très bien.
attendant, on va virer celle-là. Donc on va virer celle-là. Alors, c'est toujours pas bon. Toujours pas bon. Alors, Kazremi, je peux crafter l'épée qu'il y avait sur PO. Le problème, c'est que l'épée qu'il y avait sur PO, elle était différente de celle que je peux faire ici. Parce que celle que je peux faire ici, elle n'a pas looting 69, malheureusement. Ouais, je les ai mis dans les storage à ma base, ouais. Alors, pourquoi faut que ce soit du 10-10-10? C'est pour pouvoir en récupérer plus rapidement, en fait. Si tu veux, une graine, il y a marqué Growth, Gain et Strength. Donc, Growth 10, ça veut dire qu'elle va pousser plus vite que si elle était en 1. Gain, je vais en récupérer 4 au lieu d'1. Donc, à chaque fois que je vais faire clic droit, si tu regardes bien là, je fais clic droit. Hop, j'en ai récupéré 4. Au lieu de 1, généralement. Et enfin, Strength, ça veut dire la puissance de propagation, je crois, de la graine. De souvenir. Je suis plus tout à fait sûr pour le dernier. Ça se trouve, je dis des conneries. Alors, les graines, ça dégage. On récupère celle-là. Ok. On va planter ces graines-là. En attendant, il me faut mon bag. Pour dégager ça. On peut dégager ça aussi, on s'en fout. Voilà. Directement ranger ça là. Voilà. Par contre, je vais planter ça là, là et là. Voilà. Et enfin, celle-là, perfect. Il y a une machine qui apparemment avait de l'énergie. Pourquoi pas? Je vais la configurer correctement, celle-là. Voilà, tu peux avoir de l'énergie, tu peux balancer tes items si tu veux. Tu me faisais un petit peu n'importe Novak, mon ami. Hein. Clac. Ok, ça farm. Tout sera ramené dans Applied, donc maintenant on peut retourner à la maison. Ah ok, c'est leur capacité à résister aux mauvaises herbes. Je t'avouerai que sur tous les modpacks que j'ai pu faire, les mauvaises herbes ont tout le temps été supprimées en fait. Donc essence, normalement ça doit être les plus basses essences. Donc par exemple là, Endarium. Voilà. Dark Steel. Ok. Redstone Alloy. Et enfin, énergétique alloy. Très bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais quand même vérifier si tout rentre dans mes deep storage units. Normalement, il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça. Hop. On va mettre un là. Voilà. Voilà. Et enfin. Voilà. Donc maintenant qu'on peut crafter ces ingots qu'à partir des essences, il va falloir qu'on recherche ici Dark Steel. Lui, on le dégage. Ok. Donc lui, c'est bon. On va dégager également. Alors, c'est lesquels que j'ai fait? Celui-là, on le dégage. Il faut qu'on dégage l'Endarium. Endarium, il dégage. Et il faut qu'on dégage le Redstone Alloy. Qui est là. Ok. On dégage tous ces crafts là parce que maintenant on peut les faire avec les essences, donc il n'y a plus de problème. Très bien, et je vais également probablement dégager ça aussi. Quoique je pourrais les laisser, ça dérange pas. Ouais, je vais les laisser, ça dérange pas. Ça pompe un peu d'énergie, mais franchement avec tout ce que je fais en énergie, enfin tout ce que je crée en énergie, pas trop y avoir de soucis. Ok, ça c'est fait. Alors au niveau des crafts, on en est où? Putain, il a toujours pas fini. Oh là 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 là.
Pour tes protections d'essence, de Tom Craft utilise les... Ugly Daisy ou Spawner à Wisp. J'utilise déjà un Spawner à Wisp. Ça prend du temps. Il reste quoi comme graine encore à faire? Bah écoute, on peut regarder. Hop, dégage ça. Wyvern, déjà ça je vais le prendre. Et je vais le mettre là-haut. Parce que là il va me manquer. Ouh, il va manquer que ce soit ici. Helmet. Je regarde vite fait. Il est où? Ok, c'était bien ici qu'il faut le mettre. Très bien. Donc pour les autres graines, seed. J'avais un dossier sur le bureau. Avec toutes les graines que je devais faire pour être tranquille. Ok, il est là. Donc il va nous manquer la Solarium. Ok. Oh, tu me diras, j'ai pas besoin de faire ça. Il faut juste que je récupère des Wyvern Core. Donc Wyvern Core encore. Pulsating. Wyvern Core toujours. Vibrant. Took. Pulsating. Enfin, Pulsating Wyvern toujours. Il nous manque Electrical Steel. Toujours ça. Il nous manque Signalum. Toujours pareil. Il nous manque Linvar. Ok. Et il nous manque les shards de Tom Craft. Donc normalement, tu as des shards ici. Hop, pour les avoir, tu peux avoir ces petites shards, ces petites graines. Je les ai pas faites encore, ces graines-là. Faudrait que je les fasse. Mais en gros, il nous en manque encore un petit peu des graines. Et si je regarde bien, je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est les seules graines qui vont me manquer. Alors après, tu vas avoir d'autres graines du type bah, celle-ci, là, les tiny, celle-là. Hein. Les Chaotic Rum Seed. Et j'ai oublié comment on peut les crafter. De temps en temps, il me montre le craft. De temps en temps, il me les montre pas, les crafts. C'est vraiment un merdier, ce truc-là. Je clique sur le bon bouton, mais il veut pas me le montrer. Bon. Non, il veut pas me montrer le craft. De temps en temps, je te le dis, il me le montre. De temps en temps, il me le montre pas. Il t'en manque 24. De quoi il me manque 24? Ah, des Wyvern Core. Ah, probablement. Oui, j'ai pas fait le calcul. 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. 16, 20. 24. Oui, il m'en manque 24, effectivement. Mais je vais pas les faire tout de suite parce que si je lui demande 24 Wyvern Core, on va voir que ça va pas être possible tout de suite. Clac. Parce qu'il va vouloir... Ah, quoi que si, il pourrait les faire tout de suite s'il veut. Parce que faut juste qu'il crafte ça, en fait. Que j'active le portail Botania. Bah écoute, on va le lancer. Je vais juste ouvrir le portail Botania. Comme ça, ce sera fait. Hop. Toc. On va essayer d'utiliser ces trucs-là, là. Voilà. On s'en sert. Il les récupère correctement là. Apparemment il les récupère correctement, c'est bon. Alors. Voilà, tu dégages toi. Putain, elle est tellement stylée cette hache en vrai. C'est n'importe quoi. Allez, je me vide chez toi, ML, bonne soirée, moi je m'en vais. Bah merci pour les 35 bits vidéo. C'est gentil. Et j'avais pas vu aussi, merci Azerfruit pour le host. Faudrait que j'active les notifications pour les hosts. J'y pense à chaque fois et à chaque fois j'oublie. Bon, ça c'est fait. Donc bah, il va me crafter les Wyvern Core pendant qu'il me crafte ça. Donc ouais, malheureusement on va pas pouvoir avancer plus loin. Parce que tout ce qu'il va me demander là maintenant, ça va être de la patience, de la patience et de la patience. Donc je pense que pour le prochain live, pardon, j'aurai fait le champ de Minicio. En tout cas j'espère.
Je vais voir comment je vais gérer le champ de minitio. Je me suis trompé pour les autocrafts. Je me suis trompé en quoi? Ah putain, c'est relou, faut que je récupère de la redstone ici. Ah, j'ai oublié qu'il y avait externe C. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème que j'avais. Écoute, on va aller regarder ça rapidement avant qu'on coupe le live. Alors vas-y. Très bien. Je réactive la farm là pour pouvoir refarmer des stars et des vicios gratuitement. Ah, quand même. Oui, du coup, crafter. On va le resetup. Ok. Cable, encore. Export bus. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me parle. Port bus. Conduit. Boum, on va demander ça. Il va me falloir un filtre. Je pense que c'est celui-là qu'il va falloir que j'utilise. Du coup, essence. Il va nous falloir du minitio. Prends-en plus. De ça. De ça, de ça. Recommençons. Tac. J'ai plus de tesseract. Est-ce que je l'ai rangé là-dedans? Nope. Too bad. En attendant, je peux toujours configurer ça. Ok, export bus, speed à fond. Ça, on va faire. Ouais, je vais faire ça comme. Ouais, je vais faire ça comme ça. Bonne nuit, demain je travaille, à la prochaine. À tous et à toi, Abel. Merci Fabien Lefebvre pour les 90 bits. Bon courage à toi pour demain. Ok, in out, clac. Donc là, on va laisser ça comme ça, comme on avait vu. On va en mettre 3. 3. 3. On va mettre un petit peu plus de minitio parce que ça va en demander. Clac. Ah, zut. On recommence. Off. C'était pas ça, c'était celui-là qu'il fallait mettre. On va y arriver. Remember. Ok, donc maintenant, celui-ci, c'est interne. Il n'y a pas externe C. Tu jouais en quel mode? Tu jouais en quelle version? Parce que extérieur C, ça me parle. Sauf que là, il n'y a pas. Donc ça marche pas. Parce que celui-là, si on le garde en interne, il est censé prendre tout ça et les mettre là-dedans. Il le fait pas. Ah voilà, c'est un point 10 et plus. Le modpack, il est en 1.7.10 là. Il est pas en 1.10, hein. Du coup, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Il n'y a aucune logique. Je lui ai intégré ce craft, il est censé le connaître. Il l'a fait.
Mais je vais pas mettre en externe, sinon ça va extraire l'ASIO. Ça va me le mettre là, l'ASIO. Je veux pas le mettre là, je veux le laisser là-dedans. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir mettre un espace de libre, ça va pas être possible. Ah putain. Ça va me gonfler. Oh, en laissant deux slots, mais Remember, et si je le mets là, Remember, est-ce qu'il se souvient? Ok, ça je peux le faire. Je savais pas que je pouvais faire ça comme ça, donc théoriquement, c'est bon là. Ah putain. Donc là, c'est bon. Là, le truc là, il fonctionne bien. Donc si je fais Minitio, il va prendre tous les Minitio du monde. Je peux pas les retransformer ceux-là. Si, je peux les retransformer ceux-là. Je vais retransformer tous les blocs parce que j'en ai pas besoin. Ok. Par contre, ouais, il bouffe l'énergie parce que j'ai oublié de lui remettre un Tesseract devant. Tac. Clac. Ok. Donc là, il va me crafter le Zivicio. Par contre, il est pas très rapide. Hein. Je vais pourtant mis du speed upgrade. C'est pas un rapide, le bonhomme. Et du coup, on va juste connecter ça là, là, et on va faire... Par contre, je vais juste t'en prendre un petit peu, là. Tu vas juste me prendre ça. Toc. Ok, apparemment, c'est bon. Ah bah putain. Tout ça parce qu'il fallait deux slots de vide. Je pige pas pourquoi il avait besoin de deux slots de vide. C'est incompréhensible. Enfin bon. Pas de soucis à Absintac. Mais c'est vrai que pour le coup, faut faire gaffe sur les versions de mod. C'est vrai que d'une version à d'une autre, c'est pas la même. Donc là, on craft le Zivicio. Ouais, on craft le Zivicio. Et vu que le Zivicio, il a un deep storage. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau de. Il n'arrive pas à prendre le cyanite? Attends. Acceleration. Vas-y, s'il te plaît. Et vas-y, s'il te plaît. Je crois qu'il a encore merdé le truc. Il veut pas les retirer. Il veut pas les prendre. Applied. Applied. Allez. T'as de la place pourtant, t'as un deep storage là. Ah bah voilà, il les a pris. Et du coup, lui, s'il les prend pas... S'il le prend pas, c'est normal. C'est parce que normalement, il est censé sortir là. Bon. C'est-à-dire que lui, il va pouvoir revenir correctement. Voilà, il peut revenir correctement. Parce que j'ai eu un souci avec le Big Reactor, c'est que des fois, il se vide. Parce qu'il peut pas extraire le cyanide qu'il y a là. Et c'est super frustrant. Ah, ça change de NBT. C'est pour ça qu'il lui fallait deux slots. D'accord. Bon, c'est un peu stupide dans le principe, mais bon, ok. Est-ce que si je fais accélération, pas accélération, mais speed, si je mets du speed sur l'extraction, il va plus vite ou pas? Bon, il a l'air d'aller plus ou moins plus vite. Bon. On va le laisser comme ça de toute façon. Bonsoir Parafire et bonsoir Overkill, et désolé pour vous parce qu'on va s'arrêter là pour le live. Puis tout à l'heure on entend les Wither, c'est parce que normalement je relance ma firme à Wither Boss quand j'arrête le live. Bah on a bien avancé, on a beaucoup avancé sur Draconic Evolution.
Je pense qu'entre ce live-là et le prochain, bah, j'ai plusieurs jours, parce que le prochain live, c'est mercredi. Je ferai probablement le chant de Minicio. Et pour le reste, bah, on verra ça en live. Merci F pour les 18 bits. Bonne nuit à tous. Et du coup, bah, comme je dis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain live de Demon Journey. Pour la rediffusion, ce sera sur YouTube d'ici 1h30, 2h, grand maximum. Donc si vous n'avez pas vu le live, il y aura la rediff. Sinon, elle est toujours dispo sur Twitch, quoi qu'il arrive. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée. Bon courage à ceux qui vont bosser. Et à mercredi soir. Bye.